Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, j'ai bafouillé dès le début, ça commence bien. Bienvenue dans votre émission du samedi, votre émission animalière en compagnie. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le studio, on va avoir chaud, même si c'est pas le cas dehors. Et on va commencer, bah tout d'abord, tiens, allez hop, Alan. Merci Mickaël. Notre rendez-vous là dès midi, on prend Alan, ça va Alan? Bah oui, c'est des... ça va et toi? je bafouille aussi, tu m'as entraîné dans ta chute. Alors Alan, ça s'est bien passé ta matinale? Bah ouais, très bien. La semaine s'est bien passée? Mais toujours, toujours. En plus on s'est vu hier soir. Et bah en plus on a fait la Java. On s'est goinfré. Pour les 20 ans de Cyril, ouais, on a fait goinfré. Une petite bamboche. Voilà, donc c'était bien. Ton programme du week-end Alan, comme d'habitude? Écoute, là je vais faire un petit tour à Rouen aujourd'hui, peut-être que je vais aller à la foire, tiens, on en a parlé en plus. Ouais. La foire Saint-Romain qui a ouvert hier ou aujourd'hui. Bon bah hey, bonne foire et puis on te retrouve mardi matin. Pas mardi, mercredi. Non, bah mais oui. Ça fait deux semaines de suite qu'il nous fait le coup. Mais lui. C'est parce qu'on a une longue semaine la semaine prochaine qui nous attend, parce que j'ai mes camarades qui partent en formation jeudi et vendredi, donc on fera 5 heures d'antenne. Voilà, bon bah on te retrouve mardi, on te souhaite un bon week-end. Merci. Romain, que dire de Romain? On a déjà tout dit. Ah bon? Bref. Il y a des choses qu'on peut pas dire à l'antenne, mais bon. Romain, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va. Ça va, les yeux sont plus ouverts que la semaine dernière? Non, ils sont au même stade. Hein. On a passé une bonne soirée, Romain? Ah oui. Bon, bah, c'est le principal. Tu nous as préparé des petites choses. Oui. Ouais, ça veut dire qu'il a rien préparé, je le connais. Ah, si, si. Hein. On passe à notre ami Brandon. Brandon, qui, bah, c'est grâce à lui, en fait, qu'on est sur YouTube, qu'on est sur Facebook, qu'on est un peu partout. Brandon qui fait des petites interventions aussi, qui nous lit les messages à l'antenne. Qu'est-ce qu'il fait de plus, Brandon? Ouais, je pense que déjà, on est déjà pas mal. Hein. C'est vrai. Ça te fait une belle carte de visite, déjà, là. Bon, comment tu vas, Mickaël? Bah moi ça va, mais c'est pas le sujet, on en viendra plus tard, parce que là, attends, on a une star aujourd'hui dans le studio. Bah plusieurs même. Il commence à être là chaque plus samedi. Souvent. Il a pris ma place, regarde, moi je suis derrière, les gens peuvent pas nous voir, mais moi je suis derrière maintenant. Il est acclamé par des dizaines de femmes et ça grandit tous les samedis, Jean-Marc. Bonjour, comment ça va? Alors Jean-Marc, aujourd'hui tu devais pas être là? Ouais, mais bon, enfin, si je viens, vous me manquez trop. Voilà, bah, je le savais. Alors, Jean-Marc, bon, pour les gens qui te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots? Toujours dans la protection animale, famille d'accueil avec la chasse, avec la patte normande. Tiens, lui aussi, il est perdu aujourd'hui. Voilà, non, je suis pas perdu. Non, là, je suis un peu perturbé parce que, bah, effectivement, normalement, je devais être en forêt contre la chasse à courre. Je suis ici, mais je viens d'apprendre avec le collectif qui est en forêt des Avis que un cerf d'Icor vient d'être abattu. Oh. Donc forcément, c'est pas terrible. À nouveau, j'encourage les gens à aller dans les campagnes et les forêts au-devant des chasseurs. C'est pas possible qu'au 21e siècle on continue à faire ça. C'est un magnifique cerf, hein, qui a été abattu dès le début de la chasse, hein, donc voilà. Donc forcément, voilà, je veux pas casser l'ambiance. Oui, mais c'est fait, ça y est. Mais bah voilà, il faut savoir que la protection animale, bah c'est ça aussi. Non, c'est sûr que c'est toujours pas bon d'apprendre qu'une bête est voilà. Ouais, c'est un magnifique dicor et bon voilà. Bon, on va essayer de te remonter le moral, Jean-Marc. Ouais, non, mais ça va aller, ça va aller. En tout cas, je salue tous mes copains qui sont. Tous mes amis qui sont dans les forêts partout en France contre la chasse à courre. Bah voilà. Bon, bah, on va essayer de remonter le moral à Jean-Marc. Romain, il va falloir que tu nous trouves un titre qui va y redonner la pêche à Jean-Marc là. D'accord. Bon, j'ai peut-être ça en stock là. Bon voilà. Alors c'est pareil. Elle est revenue. Ça faisait des années qu'elle n'était pas venue. On ne sait pas. De toute façon, moi, je croyais qu'elle n'existait plus. On n'avait plus de nouvelles. Non, c'est pas vrai. Elle me donne des nouvelles quand même. Alors, attends, on n'entend même pas ta douce voix. Ma douce voix. Voilà. Oui, bien sûr. Je suis sûr que vous l'avez reconnue. Muriel. Bonjour, Muriel. Salut tout le monde. Muriel de Happy Dogs. Oui. Tu peux te présenter aussi, Muriel? Oui, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Happy Dogs, voilà, je fais du Catrice Canin sur le 76. Donc, plutôt, je fais Fécamp jusqu'au Havre. Voilà, la boucle, le coin. Voilà, ça se passe bien en ce moment? Bah oui. Beaucoup de boulot, non? J'en ai un petit peu, oui. Bah, j'ai fêté les 2 ans de l'ouverture des cours collectifs, donc sur le terrain, au mois de septembre. Et le week-end, c'est vrai que bah, maintenant, j'ai du monde. Donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup moins. Mais non, mais c'est normal, hein, de toute façon, c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Hein. Voilà, j'ai pas mal d'élèves, et d'ailleurs, j'en fais un gros bisou. J'en ai même en Auvergne, du coup, qui habitaient en Auvergne et qui sont venus cet été dans le coin et qui ont pris des cours et voilà. Donc, ils sont repartis en Auvergne, qui vont revenir pour les vacances. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis.
puis ben je ferai voilà vite fait je vais faire aussi, on en reparlera, le Noël des poilus comme tous les ans. Ah oui, oui. Donc ça voilà, je vais préparer ça tranquille. Bah justement, tu vas bien t'entendre je pense avec alors aujourd'hui, il avait le temps parce que c'est un super-héros. On a la chance d'avoir le vrai Batman dans le studio, parce que là, il n'est pas habillé, c'est pour ça que vous ne le reconnaissez pas. C'est Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Michael. Jean-Michel, aussi une belle brochette, toi, enfin, t'as beaucoup de cordes à ton arc. Éducateur canin aussi. Beaucoup de socialisation que je fais en ce moment, vu que beaucoup de gens adoptent des staffs, des staffies, des pitbulls. En ce moment, je suis un peu débordé. C'est vrai que je trouve que c'est en train de remonter en ce moment, ça, les staffs et des croisements, tout ça. C'est un peu galère. J'ai même refusé des clients parce que c'est pas possible. Il y a des moments, on n'arrive même pas à socialiser les chiens. Moi, j'ai une petite technique hein, pour vérifier si le chien il est vraiment sociable ou pas. Non, pas un coup de pelle. Non. Ah j'ai... bon, tu m'as fait peur, là. La technique, c'est mettre un faux chien pour voir la réaction du chien. Un faux chien? Ouais, un faux chien. En plus bah, ouais, en plus. Bah là j'avais une la voisine de mon client qui avait une petite peluche. J'ai dit, parce que quand j'ai vu la réaction avec ma chienne, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. J'ai dit, on va voir la réaction qu'il va avoir avec un faux chien. Et bien, en fin de compte, le chien, il n'a pas du tout les côtes canins. Il a vu la peluche, il aurait bouffé la peluche. Il pensait que c'était un chien. Et le problème, c'est que... Mais un chien doit faire la différence entre un vrai chien et une peluche. Non, pas les pitbulls, parce qu'ils n'ont pas les côtes canins. Donc, ouais, mais moi, je vois que ma chienne, par exemple, si j'y mets une peluche, elle va vouloir jouer avec. Elle va Oui, la tienne, oui. Oui, c'est pas un pitbull. Non? Non, ben voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va quand même l'attraper, elle va jouer avec. Oui, tandis que le pitbull, lui, il va prendre ça pour un chien. Ah d'accord. Il va dévorer la peluche, il va pas. Non. Donc en ce moment, oui, beaucoup de travail socialisation et puis beaucoup de travail aussi avec la SPA. Je vais faire un petit topo aujourd'hui pour les délégués enquêteurs sur la région. On n'est pas assez nombreux et il y a beaucoup de travail, beaucoup d'enquêtes sur la maltraitance animale au niveau chien, chat et je fais équidé, tout ce qui est poney, tout ça. Je ne fais pas les nacs, j'ai peur des serpents. Voilà. Moi, c'est les serpents, les araignées, tout ça, non, c'est pas mon truc, ça. Non, c'est pas mon truc. Jean-Marc, il a une tête à aimer, ça, lui. Non, enfin, les nacs, après, il y a aussi les lapins, les furets. Oui, ça va. Ça va, mais c'est les serpents, non. Ouais, les serpents, non, moi. Les araignées, ça va, mais pas les serpents. Et puis, notre invité du jour sur RVL. Elle a mis un peu de soleil dans le studio. Elle est habillée en jaune avec un collier en forme de coquille. Non, c'est pas des coquillages. En vrai, depuis tard, j'ai des coquillages. C'est pas des coquillages. C'est Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour à tous. Ça va Sabrina? Ça va. Je suis bien arrivée. Je suis venue de Rouen sous la pluie, mais j'ai été bien accueillie. Donc c'est l'essentiel. Jean-Marc, ça. J'ai ramené des bonbons comme d'habitude, mais alors il y a profusion de gâteaux, de fruits. Là, c'est pas la peine. On va pas mourir de faim. Là, c'est tout. Alors Sabrina, merci d'être venue déjà pour commencer. Je vais te laisser te présenter en deux mots avant. Après, on viendra à toi. Hein, on aura plein de questions à te poser, mais en deux mots, si tu peux te présenter. Moi, je suis intervenante en médiation animale, donc je ne sais pas si vous connaissez cette activité. Bon, un peu de nom, mais vraiment très peu. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on veut en apprendre plus. Alors, je suis travailleur social de formation d'origine, éducatrice spécialisée, et je me suis spécialisée cette année, donc après avoir fait une formation avec mon chien, pour proposer des séances dans les établissements médico-sociaux. Donc, ça va de la crèche à la maison de retraite, aux établissements pour personnes handicapées. Et donc, je vais avec mes animaux, donc chiens et cochons d'Inde. Vous parliez des nacs tout à l'heure. Moi, j'interviens avec mes cochons d'Inde. Non, mais cochons d'Inde, ça va, ça fait pour peur. Oui, ça fait des petits bruits quand même assez surprenants. Hein, mais effectivement... Et Sabrina nous imitera parce que tu es championne de France du bruit de cochons d'Inde. J'aurais dû en ramener un plus tôt, mais... Bon, on a ramené quand même une enfant dans le studio qui va... tu vas imiter le cochon d'Inde. Oh, bien dit la peau. Tu veux nous dire bonjour, Madison? Ah bon, on peut dire bonjour. Prends le micro à Jean-Michel. Bonjour. Comment tu t'appelles? Il y a Jacques Martin. Arrête. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Rien du tout, parce que je suis pas chanteuse. D'accord, c'est très bien, Madison. Si tu veux intervenir, tu le dis, t'interviens. Ok. D'accord. Allez, Romain, on va te faire travailler un peu en attendant. Oui, j'ai déjà travaillé. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau?
Un petit truc que t'as chantonné tout à l'heure, Jean-Jacques Goldman. Ouais, c'est bien. T'aimes bien Jean-Jacques Goldman? Ah là là, très bien. C'est c'est ma jeunesse, ça. Me fais peur quand tu me dis ça. J'adore. Ouais, vraiment. C'est quoi bien. Comme titre que t'as choisi? Encore un matin. Sabrina, Jean-Jacques Goldman. Parfait. T'es fan de qui, toi, Sabrina? En musique, plutôt rock, mais. Ça va bien passer aussi. Bon, alors, puis après, ça sera. Je me réveille, moi je suis allé à la foire hier, j'ai déjà pris de l'avance. Ah, il est parti, Alan. Bah, toi, oui, il avait raison, ça a bien ouvert hier. Et du coup, j'ai fait un manège. À sensation. Oui, et je m'en suis rendu compte que c'était plus de mon âge. Oh, je monte pas, moi. Tous ces trucs-là, je monte pas dedans. Oh là là. Déjà, moi, j'ai eu au travail cette semaine l'ascenseur qui est resté bloqué, mais une fraction de seconde, j'étais tout blanc, je suis parti prendre l'air. Alors, je monte pas dans les. Ah non, à la foire, non. Ah non. Oui, les petits trucs, les canapés, les petits trucs. Enfin, ça, je fais gaffe s'il n'y a pas Jean-Marc, parce qu'il va falloir que je pêche des canards, il va me gueuler dessus. Mais non, les trucs à sensation, non, merci. Tu vas y aller à la foire, Madison? Bah, non, t'iras pas, papa veut pas, voilà. Non. Allez, donc le deuxième titre, Romain? La Compagnie Créole. Tiens. Ah, bah voilà. Là, le moral, il va remonter, là. Oui, non, mais il y est, le moral, il y est. Voilà. Bon, bah alors, on part en musique et on se retrouve juste après ces deux titres, et puis on fera la connaissance de Sabrina. À tout de suite sur RVL. Cherche une route. Encore un matin
Une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'es doudou bien balancé, couple et boss super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, swing. Allez, 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 allez. Si tu veux te faire plaisir, faut surtout pas hésiter. Pour combler mes désirs, y'a rien de tel qu'un petit baiser. C'est bon pour le moral. Merci. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon bon. 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 Oui, c'est bon. C'est bon. Et ben voilà, il est
est temps pour nous de découvrir ou d'apprendre à connaître. On va apprendre plein de choses hein, sur elle, Sabrina, notre invitée du jour. J'ai oublié d'éteindre mon son, moi, maintenant. Tiens, allez, hop, je donne des conseils à tout le monde, puis j'oublie de le faire. Voilà. Alors, hop, voilà, c'est bon, là, il est éteint. Alors, du coup, bah, on va repartir. Voilà. Donc, il est temps pour nous de retrouver Sabrina. Sabrina qui nous vient de Rouen. Et, donc, c'est une association, c'est ta société plutôt ? Non, moi j'ai le statut auto-entreprise, pardon. Auto-entreprise, ouais. Donc ça s'appelle Pose Animal. Pose Animal Rond ou Pose Animal tout court ? Pose Animal. Elle a un doute quand même. Hein. Non, mais parce qu'après il y a le Facebook, le site internet. Alors parfois j'ai collé Pose Animal Rouen, parfois c'est pas. Mais sur Facebook, on te retrouve sur Pose Animal Rouen, c'est ça ? Tout à fait. Hein, on va demander à en Brandon personne, normalement s'il peut mettre le lien directement. Alors Sabrina, du coup, bon bah merci d'être venue hein, parce que t'as fait quand même de la route sous la pluie. Tu nous as pas ramené le soleil, tu nous as rien ramené du tout, c'est gentil. Vrai. On la taquine, c'est pour la mettre à l'aise. Alors Sabrina, bah, tout d'abord, première question, est-ce que tu peux, bah, comme tout à l'heure, te représenter, mais un peu plus en profondeur, puis nous dire bah, qu'est-ce que c'est que Pose Animal ? Oui, alors moi, je m'appelle Sabrina Landrin, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le secteur médico-social sur Rouen, donc auprès de différents publics, personnes handicapées, parentalité, j'ai travaillé à la maison d'arrêt de Rouen aussi, en psychiatrie, enfin bref. Et durant tout ce parcours, j'ai toujours été passionnée en parallèle par les animaux, et je me suis dit pourquoi pas associer en fait mon travail social et les animaux, parce que je me suis rendu compte dans certains de mes lieux de travail que le fait de venir avec un animal, ça créait beaucoup de liens, du lien social notamment, et ça permettait d'entrer en contact avec des personnes fragiles qui n'avaient plus beaucoup de motivation, d'envie, et via l'animal, on arrivait à apporter du bien-être et tout un tas de choses. Donc j'ai créé Pose Animal il y a un an, et je propose des séances, alors soit en individuel, soit en collectif, en fonction des besoins des personnes ou des établissements qui me contactent. Donc quand je dis besoin, ça peut être travailler autour de la motricité. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont plus envie de sortir, de bouger, d'aller vers l'extérieur. Donc dans ce cas, je peux proposer un parcours d'agility avec le chien, puisque j'ai un chien avec qui je fais de l'agility. En tout, t'as combien d'animaux et quel genre ? Alors, pour le moment, j'ai seulement un chien qui a été formé en même temps que moi à cette activité et trois cochons d'Inde. Et là, je viens d'adopter... Je suis famille d'accueil pour un deuxième chien qui sera peut-être adopté de façon définitive. Mais voilà, faut qu'il s'entende avec tous les autres animaux, la famille. Et donc là, on est en phase de test avec lui. Alors, justement, là, tu t'expliquais que tu interviens, par exemple, pour des jeunes enfants, des personnes âgées, tout ça. Mais au tout début, tu as expliqué que tu avais travaillé en maison d'arrêt. Oui. T'as jamais pensé justement, parce que comme tu dis, c'est vrai que les animaux, ça a tendance à apaiser, ça a tendance, on sait que quand on a un animal, il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, si j'avais pas d'animal avec moi, vous m'auriez Exactement. Pas adressé la parole, l'animal, c'est un lien. Exactement. Et t'as pensé à ça justement, à pourquoi pas intervenir dans des maisons d'arrêt avec les animaux ? Mais je l'ai fait, monsieur. Ah bah tiens, allez. Oui, tout à fait. C'était au mois de juin, donc je suis intervenue au centre de détention de Val-de-Reuil, dans un parloir famille. Donc, sur une journée festive où les enfants étaient invités, étaient conviés pour rendre visite à leur papa. Ça a dû être bien plus... Enfin, pour eux, par rapport aux enfants, que c'est vrai qu'ils vont justement voir leurs parents en maison d'arrêt. Exactement. C'est vrai que ça a dû les aider vachement d'avoir des animaux. C'est ça, parce que parfois, forcément, surtout à Val-de-Reuil, les personnes sont incarcérées pour des longues peines, donc parfois les liens sont un peu interrompus avec leurs enfants, et du coup c'est pas facile de rétablir la communication dans un contexte très difficile hein, entre quatre murs. Donc là les animaux ont été un support, et ça permet de ramener de la vie et aussi d'évoquer plein de souvenirs, parce que certes ces personnes-là sont incarcérées à ce moment-là, mais elles avaient aussi un passé, une histoire avec les animaux, et c'est l'occasion d'en parler avec leur enfant. Et ça a été vraiment une belle journée qu'on aimerait renouveler, mais voilà. Après, faut aussi trouver des financements forcément pour mettre en place toutes ces actions. Donc là, on cherche avec la personne pour avoir des financements pour renouveler l'expérience et essayer de faire des séances plus régulières.
Non, mais je me mets à la place des personnes aussi incarcérées qui ont des animaux à l'extérieur. Bien sûr. Et c'est vrai que de voir justement le chien ou même, comme tu dis, un cochon d'Inde aussi, ça doit te remonter le moral, ça te fait plaisir, ça te booste et voilà. Ouais. Et puis il y a aussi, moi, quelque chose qui m'a surpris ce jour-là, c'est. Alors, le chien, on a plus tendance à connaître, les cochons d'Inde, je me suis dit, bon, avec des détenus qui. Voilà, des. C'est des tout petits animaux, les cochons d'Inde. Je me suis dit, est-ce que ça va les intéresser? Est-ce que... Ouais, tu pensais que c'est à la rigueur, tu te voyais plus avec un gros chien, un machin. Exactement. Et alors qu'en fait, pas du tout. Finalement, ils ont été super attentifs, super doux, et très... Ah bah, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'en maison d'arrêt, il n'y a pas que des meurtriers ou choses comme ça. T'as des gens qui y sont malheureusement pour des petits délits pourris, ouais. On va dire, et voilà. Et du coup, bah, ils ont vraiment pris soin, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la médiation animale, c'est que souvent, en fait, ce sont des gens dont on prend soin parce qu'ils ont plus de capacité, bah, soit ils sont enfermés, soit ils sont pagés, soit ils sont en crèche, c'est pareil, hein, en crèche, ils sont tout petits, donc souvent, c'est eux qui reçoivent des ordres. Et là, en fait, la personne se retrouve dans la possibilité de, elle, prendre soin et se rendre utile à quelque chose. Parce que moi, je les sollicite pour découper les légumes, par exemple, pour les cochons d'Inde, pour construire des cabanes. Parce qu'avant de mettre les cochons d'Inde sur la table, faut préparer leur environnement. Donc, je leur explique que, bah, il faut tout ça. Donc, ils participent. Tout le monde met la main à la pâte pour préparer et ensuite prendre soin de l'animal. D'accord. Alors, comment ça a commencé ton histoire, justement, pour te mettre dans la médiation animale? Ça a commencé il y a 15 ans quand je travaillais dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale du côté d'Yvetot. Et en fait, là-bas, pour travailler autour de l'insertion des personnes sans abri, il y avait... Oups. Non, un tremblement de terre. Ah. Ouais, à mon avis, on dirait oui. Oui, non. Il y avait notamment une activité maraîchage et il y avait une activité ferme. Et donc, quand je suis arrivée sur ce lieu de travail... Non, on a un bruit, mais je ne sais pas si les auditeurs l'entendent, mais on a un bruit bizarre au-dessus, là. C'est... Oui, ça a l'air d'être une machine à laver qui ne doit pas être bien calée. On va envoyer Jean-Marc. Ah. Jean-Marc, il va aller caler la machine à laver. C'est ça. Et donc je suis arrivée là-bas et je me suis rendu compte que dans ce centre où bah, c'était des personnes très abîmées par la vie, hein, des personnes qui venaient de la rue, eh bien le seul finalement lien, un lien important, c'était les animaux. Donc il y avait des poules, il y avait des ânes, il y avait des lapins. Et moi je me suis dit pourquoi je ramènerais pas mon chien que je venais d'accueillir. C'est bon. Mais non, c'est bon, c'est parti, ça va revenir. Et du coup, le directeur à l'époque m'a donné l'autorisation de venir expérimenter, enfin venir avec mon chien. Et du coup, j'ai vu tout de suite que les résidents, certains avec qui j'avais pas réussi à établir un contact parce que trop mal, que ce soit par l'addiction, les problèmes psychiatriques, avec le chien, j'arrivais à discuter avec eux. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Sauf que ça, c'était il y a 15 ans, donc c'était encore très méconnu. Il y avait juste l'équithérapie qui commençait à être un petit peu connue. Alors, c'est quoi ça? Moi, je connais pas ça. L'équithérapie, c'est la thérapie avec les chevaux. D'accord. Ah oui, équitation, tout ouais. Ça. D'accord. Okay. Mais c'était à peu près tout. Donc, moi, j'ai développé ce projet... mais un petit peu sans me professionnaliser, disons, à l'époque. Mais c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Après, j'ai travaillé sur Rouen dans d'autres endroits. J'ai eu plein de bâtons dans les roues pour le mettre en place. Ah ouais ? Bah, il y a 15 ans, c'était pas du tout une pratique courante d'amener les animaux. Ouais. Certains pays, tout à fait. Même pas très, très loin de chez nous. Attends, est-ce que les micros sont allumés, Romain ? Non ? Oui. Il y a des pays qui sont pas très, qui sont frontaliers à nous, qui sont déjà largement plus dans la médiation animale. Et aux États-Unis, évidemment, c'est quelque chose. Ne ça a commencé dans les années 50 aux États-Unis. C'est très très ancien. Tout à fait. Il y a des programmes où les détenus ont un chien à demeure. Dans leur. Ils ont fait une sorte de. Et en France, alors ça. Télé-réalité là-dessus. Voilà, c'est. Ça se fait pas. À la traîne. Comment ça s'appelle? Il y a Pitbull et prisonnier. Oui, alors ça, en fait, ça c'est génial comme truc. En fait, elle réinsère des prisonniers qui sont. En prison? Non, mais qui sont en.
Oh, je vais pas y arriver. En voie d'insertion. En voie d'insertion, où c'est surtout, c'est temporaire, machin, elle les réinsère par ce biais-là, et ça leur permet de retrouver quelque chose qui est normal. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en France, je suis pas étonnée que tu aies des bâtons comme ça. C'est ça. Je suis pas étonnée, quoi. C'est un petit peu changé. Hein. En fait, je voulais juste revenir sur ce programme. Mmh. En fait, c'est des détenus qui sont en voie d'insertion, à qui on met des chiens qui sont aussi en voie d'insertion. Mmh. Et en fait, l'objectif, c'est que le détenu, au bout d'un moment, sorte avec le chien, donc souvent des pitbulls, qui aura été sociabilisé, éduqué, et le détenu, le chien, en capacité de vivre à l'extérieur. C'est un super programme. C'est vraiment un très très beau programme. D'accord. Donc alors, Sabrina, alors tu voulais peut-être revenir justement sur où... Non, mais c'est je rejoins ce que tu disais. Hein, effectivement, hein, en France, on est un peu en retard sur tout ça. Moi, il y a 15 ans, clairement, on m'a pris pour une illuminée hein, quand je me disais, quand je voulais emmener les, enfin monter ces projets dans ces lieux-là. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Quand j'ai voulu donc faire ma formation et me professionnaliser, là, il y a un an, je me suis rendu compte qu'il y avait maintenant beaucoup plus de projets en ce sens. Alors, il y a encore des structures qui me disent ah ben non, nous c'est interdit. Alors que c'est pas vrai. Hein, ça existe même dans les hôpitaux. Bien sûr, faut que ce soit encadré. Il y a des règles sanitaires. Il y a tout un protocole à mettre en place, mais c'est possible de le mettre en place. Donc voilà, ça s'est développé et j'ai pu. Maintenant, je suis plutôt bien accueilli. Non, mais ça marche très bien, la médiation animale. Effectivement, c'est en train de se répandre. Je sais pas si tu te souviens, Michael, il y a quelques semaines, ou avant les vacances d'été, j'avais présenté des bouquins sur la médiation animale, dont un programme chez les militaires, avec des chiens en médiation animale auprès de blessés d'opérations extérieures. Il y a plein de programmes, notamment dans les hôpitaux. Et en fait... La médiation animale, ça marche tout simplement parce que l'animal n'est pas dans le jugement. Donc que ce soit des gens malades, des gens en détention, que ce soit des personnes âgées, des gens qui sont différents, qui sont handicapés. En fait, la médiation, elle part animale, elle part du principe, enfin c'est pas un principe, elle part du fait que l'animal, lui, va aller vers la personne parce que il n'a pas le jugement que nous on peut avoir. Et en fait, les gens, et notamment avec qui on fait de la médiation animale, ils ressentent ça. Et tout le succès de la médiation animale, elle repose sur ce non-jugement. Et moi, j'ai une intime conviction que cette médiation animale, notamment dans les hôpitaux, en pédiatrie, mais pas seulement, elle va prendre un essor phénoménal parce que les résultats sont extraordinairement positifs. C'est-à-dire, même les gens qui n'y croyaient pas, notamment les médecins, les directeurs de centres de détention, de maisons de retraite, même tous ces gens qui, au départ, n'y croyaient pas, et effectivement, comme tu dis, trouvaient ça complètement farfelu, ils sont obligés de reconnaître concrètement, objectivement, les résultats positifs que la médiation animale apporte. Alors, est-ce que pour la médiation animale, tu as été obligé de passer des diplômes, une formation, quelque chose, non ? Alors, c'est ça, en ce moment, qu'on retrouve un petit peu comme travers, et je tenais à en parler aussi. C'est pas encore un métier réglementé, et c'est à la mode en ce moment. Pour répondre à ta question, finalement, il n'y a pas de certificat de formation obligatoire, donc il y a plein de personnes qui se disent, qui s'improvisent, voilà, j'aime les animaux, j'aime les gens, ça va aller, on va y aller. Sauf que, par exemple, quand je suis allée démarcher une structure l'autre fois, on m'a dit, ah non, mais il y a déjà quelqu'un qui vient avec des chiots. Et je me suis dit, qui vient avec des chiots, ça me surprend auprès de personnes âgées, les chiots ça mordit, c'est pas encore justement socialisé, éduqué, et je trouve que c'est un petit peu dangereux. Et cette personne-là, elle prenait pas cher, et voilà, elle avait ni de formation sociale, ni de formation dans le domaine des animaux, et voilà, là je mets un petit bémol là-dessus, donc... Il n'y a pas de loi de réglementation. Par contre, moi, j'ai tenu justement à me former. Donc, j'ai fait 150 heures de formation. De travail d'intérêt général, vu qu'à travailler au SPIP. C'est ça. On a pu lui aider.
Et le pire, c'est que je l'ai fait aussi avec mon chien, du coup, avec un organisme que j'ai sélectionné pour ça, justement, parce que moi, je tenais à ce que mon chien aussi soit évalué. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi être très vigilant, c'est que pour les animaux, c'est pas toujours génial, la médiation animale. Non, parce que moi, je travaille aussi avec des personnes qui sont autistes, par exemple, et c'est tout un apprentissage pour ne pas serrer, pour ne pas... Oui. Donc, parfois, l'animal, il arrive, il se fait empoigner, il se fait tirer les poils, il se fait oppresser comme ça, enfin serrer fort. Et donc, il faut aussi bien repérer les signaux d'apaisement du chien. Parce que si on voit que le chien est mal, il faut stopper, il faut réussir à le mettre à l'écart. Et donc, tout ça, je l'ai appris en formation et je trouve ça vraiment important de... Voilà, d'avoir une formation de base. J'ai passé la CACED aussi, bien sûr. Ça c'est la seule petite chose obligatoire finalement qu'est la CACED pour intervenir dans des établissements. Oui, mais la CACED c'est une formation, c'est assez vaste, c'est pas du tout spécifique. Ah, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi je l'ai passé aussi parce que je fais du gardiennage à domicile, voilà, parce qu'avec mon diplôme. C'est pas une d'éducateur formation, canin c'est... que j'avais eu à l'armée, moi j'étais reconnu comme diplôme niveau 4, donc j'avais pas besoin de passer la CACED. Moi je l'ai fait pour avoir un plus au niveau, mais ça donne une idée assez vaste, enfin des connaissances assez vastes sur le milieu chien, chat ou nac, mais c'est pas du tout, comment dire... Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, pour moi c'est une attestation qui donne une habilitation, mais c'est pas une formation. Non. Tu l'as toi aussi, Muriel, ça la CACED. Ouais. T'es d'accord avec... Attends, si tu prends le micro, ça serait mieux. Ouais, c'est quelque chose qui se passe tous les 10 ans, qui est valable 10 ans. En fait, tous les 10 ans, si on veut pouvoir travailler avec l'animal, on doit passer la CACED. Mais ça, on peut le demander, par exemple, dans ton cas. Ou si, par exemple, quelqu'un fait appel à quelqu'un pour de la médiation animale, est-ce qu'il peut lui demander, est-ce que vous avez au moins la CACED, par exemple? Bah, justement, moi, je pensais que les établissements allaient me demander des justificatifs. Rien du tout. Là, je suis intervenue depuis que j'ai commencé dans une trentaine d'établissements. Et finalement, sauf en prison, on m'a demandé forcément mon casier judiciaire. Ouais, mon casier judiciaire et le carnet de santé du chien, mais c'est le seul endroit où on me l'a demandé. Partout ailleurs, ils m'ont fait confiance, alors tant mieux. Oui. Et puis moi, j'avais les certificats en question, j'avais la CACED, j'avais la formation de médiation animale, donc j'avais le certificat de sociabilité du chien. Et j'ai passé aussi le XO. Ça me tenait à cœur de me dire... Qu'est-ce que c'est, ça, l'OXO? Attends. Certificat de sociabilité... Et d'aptitude au travail. Non. Enfin, je sais plus, il y a un c'est CSAU, d'aptitude à l'utilisation, je crois. Je sais plus, mais c'est... En fait, on passe ça avant de passer... de faire de l'obéissance. J'aurais appris ce que veut dire OXO, parce que quand vous avez dit OXO, moi, j'ai pensé tout de suite... Je suis pas comme vous, moi. J'ai pensé à la soupe aux choux. Quand ils appellent OXO la terre, tu vois, bah, au moins on aura appris ce que ça veut dire. C'est le premier truc, on va dire. Attends, Jean-Marc, regarde, il a trouvé. L'OXO, c'est le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Donc il y a des XO chiens, des. Voilà, donc l'OXO peut être jugé donc, par tous les juges des disciplines pratiquées sous couvert de la commission d'utilisation nationale. Chien de berger, de garde, ainsi que les juges de travail sur troupeau, les juges, enfin bon voilà. En fait, c'est là, donc c'est une capacité d'aptitude à utiliser un chien. Et moi, je tenais aussi à le passer parce que pour travailler en médiation animale, je trouve ça important. Par exemple, en crèche, voilà, il faut que mon chien ait une bonne éducation de base parce que voilà, faut qu'il marche au pied quand on arrive dans la structure, faut qu'il se couche, qu'il reste à sa place tant que j'explique les consignes. Si déjà auprès d'enfants qui sont parfois agités et sur lesquels je missionne, enfin, je suis missionnée pour gérer justement la frustration, apprendre le chacun à son tour. Si le chien déjà il va dans tous les sens, ça va pas être possible. Quoi. Je vous propose de faire une petite pause musicale pour réveiller Romain. Ah, je l'ai endormi, mince. Non, t'inquiète pas, il dort tout le temps. Hein. C'est pas moi. On l'appelle le hibou dans le milieu. Alors, puis attends, avant que tu mettes ton truc, Brandon. Alors, Brandon, tu voulais nous rappeler aussi que c'est normal hein, pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux que quand il y a des pauses musicales, on les a pas sur les réseaux. Sur Facebook surtout.
D'accord. C'est Facebook qui est un peu réticent sur les droits d'auteur, donc effectivement, quand les pauses musicales sont pas diffusées sur Facebook, le temps qu'on trouve une solution, effectivement. Oui, effectivement, oui, exactement, ils sont réticents, effectivement. Brandon, est-ce que tu nous as partagé le lien de Sabrina? Oui, ça y est. Oh là 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 là, merci beaucoup. Alors, on va aussi dire que si vous avez, on sait jamais, une question à poser, que ça soit à Jean-Marc, pas son numéro de téléphone, hein, si vous avez une question à poser, que ça soit Jean-Marc, Muriel, Jean-Michel ou Sabrina, vous pouvez appeler au 02 35. Ah, il voulait. Ah, attendez. Oh là là, j'y ai coupé son moment de gloire. Allez, vas-y. Donne-nous on le numéro. On peut nous appeler au 02 35 30 53 84. Ça, il l'a préparé, ça se sent, ça. Voilà. Romain. Oui. J'ai eu peur qu'il soit rendormi. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Romain? J'ai Kungs avec Clap Your Hands. Il aime bien Kungs, lui. Il nous le met tout le temps, lui. Ah, ça fait longtemps. Non, c'est peut-être pas les mêmes titres, mais Kungs, t'aimes bien. Je sais plus si j'ai déjà passé celui-là. Et moi, par contre, il va falloir que tu cales à un moment, parce que j'ai une demande d'une auditrice qui veut... Oh, c'est un titre anglais, comment je vais faire? Elle m'a demandé... Allez, Mickaël, on croit en toi. Words. Je vais pas chanter, je vais dire que des mots bizarres en anglais, personne ne va... Words, tu connais Words? Bien sûr. Vas-y. C'est F.R. David, je crois. C'est ça, voilà. Oui, bah, j'aurais dû commencer par là. Bah voilà, donc tu pourras nous caler ça un moment, ça serait gentil. Donc, Kungs, et puis... Bah, et puis juste après, faire David pour toi. Oh bah tiens, oh, la rapidité. Allez, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Everybody, dancing all along. Turn your body, sing my happy song.
words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say Voilà, merci. On était en pleine conversation avec Romain. On parlait de Romain, on parlait de son futur surtout. Parce qu'on sait pas quoi faire de lui. Non, mon Roro. Je t'aime bien, moi, Romain. Oui, c'est bien. Hein, ouais. Bon, c'était bien en tout cas. T'as été réactif. Les musiques, tout nickel. Ouais, t'as vu ça. Alors, vous êtes bien en direct sur votre émission Large de Yona tous les samedis midi jusqu'à 14h. On est en compagnie de Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Rebonjour. Bonjour. Bon appétit, ce que tu veux. C'est vrai qu'on pense jamais à dire bon appétit aux gens. Alors bah que, oui. Ils mangent à ce et pourtant, on mange aussi. Hein. Voilà. Donc, Jean-Marc... Voilà, je viens... Je vous présenterai tout à l'heure un roman graphique. Un roman Hugo, d'amitié. De Hugo Clément, que sans doute beaucoup de gens connaissent. Théorème de Vaquita. Je vous expliquerai ce que c'est que le théorème de Vaquita. T'as connu Elsa et Glenn Medeiros? Oui. Ils ont écrit un roman d'amitié. Ouais, voilà, mais là, c'est... Qui s'élance comme un oiseau. Ouais, mais là, c'est pas ça. C'est pas un amour de vacances. Sabrina, tu connais Elsa et Glenn Medeiros? Pas du tout. Oh ouais, mais c'est quand même pas c'est nouveau. Et hein, c'est là, vient de Rouen. Oh c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, mais Elsa et Glenn Medeiros, un roman d'amitié. Ouais, Medeiros dans un vase, c'est ça. Oh là là, quelle insulte. Il nous écoute, Glenn Medeiros. Oh. Allez, Jean-Marc, Muriel. Bonjour, Muriel. Pique le micro à Jean-Marc. Tiens, ça va lui faire les pieds. Toi, tu connaissais Elsa et Glenn Medeiros. Oui. T'as dansé là-dessus. Oui. Ah bah, tu vois, je le savais. Oui. Donc, Muriel, Happy Dogs, éducateur canin, ancienne caste du parc à Paris avec les oreilles. Avec les grandes oreilles, oui, oh là, elle fait nous file pas de place, hein, t'inquiète pas, elle a plus de contact, elle veut pas rien nous donner, elle. Eh, mais ça fait tellement longtemps. Mais bah alors, on garde toujours des contacts quand on travaille là-bas, c'est obligé. Non, pas nécessairement. T'es méchante.
On s'est en 92, t'es dingue toi. Bah, le gars de la gosse a pleuré, a voulu des places. 92, enfin, les anciens, ils, je sais même pas s'ils sont encore, il y en a pas beaucoup des anciens qui sont encore. Mais on te cuine, on sait très bien que tu nous en achèteras pour Noël. Bien sûr. Alors Muriel, le monde du chien se passe bien, Happy Dogs? Ben, ça va. Ouais. Ça va, oui. J'ai vu que tu avais fait agrandir ta maison sur 3 étages, c'est que ouais, ça doit marcher. Bien sûr, ouais, avec des colombes et tout, des colombages, des machins. Ouais. Toujours le samedi matin. Samedi ou dimanche matin. Ouais. Ouais. Donc là, ce sera demain matin. Alors. Donc, s'il pleut pas. Si les gens veulent venir, parce que je dis pour s'inscrire, vaut mieux venir voir avant. Oui, on peut faire un essai alors, comme ça. C'est pas un club. Je ne voulais pas faire de club. J'ai fait 50 clubs. Moi, demander l'avis à Pierre-Paul Jacques pour avoir le droit de changer un petit peu mon programme, ça m'a saoulé. J'en ai fait 5 ans en région parisienne. C'est bon, j'ai donné. Donc, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec mes cheveux aussi. Sur mon terrain, je suis la seule maîtresse à bord. Et donc, il n'y a pas d'inscription. Ça se paye au cours. D'accord. Ah ouais. Voilà. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est faire un petit bilan quand même d'abord. Pour connaître le chien, savoir si je peux le mettre sur le terrain avec les autres, parce que aussi un travail avant de codifier, de un peu d'apprentissage quand même au niveau des maîtres à faire, parce que je fais très très souvent, je lâche tous les chiens. J'en fais une grande, voilà. Ouais, donc il vaut mieux qu'ils s'entendent bien. Alors il y en a qui s'entendent pas, mais qui apprennent à se respecter. Donc voilà, c'est très, je surveille, hein, c'est pas fait n'importe comment. Et moi je mets tout le monde en même temps, les chiots, les adultes, les aimables, les pas aimables, parce que de toute façon dans la rue on ne croise pas que des chiots quand on a un chiot. Bah oui. Voilà, donc l'école du chiot, j'ai rien contre. Et l'école des fans. L'école des fans non plus. L'école des chiots, j'ai rien contre, mais le seul problème c'est qu'en fait ils s'excitent, ils font monter les pressions entre eux et à aucun moment, à un moment donné, ils ne savent plus redescendre. Sauf quand ils se retrouvent. Les chiots peuvent pas s'éduquer entre eux. Hein. Voilà. Donc quand ils se retrouvent face à un adulte qui est pas forcément, ou un vieux toutou qui a pas envie qu'on vienne le saouler, parce que voilà, j'en ai une, hein, un bisou à Olia, qui a pas envie qu'on l'approche, le chiot ben va lui sauter dessus, il va pas comprendre pourquoi il se fait remettre en place. Donc à un moment donné, il faut aussi leur donner ces codes-là, et ils ne peuvent le faire qu'avec des adultes. Donc voilà, et j'ai mon chien de travail, de toute façon, oups, qui est là pour faire le gendarme sur le terrain. Tous les chiens, tous sans exception, sont complètement sous la coupe de oups. C'est un truc de fou. Tous, quel que soit leur caractère, même Pépette, là, hein, ma vieille Pépette, ma tati Danielle, comme je l'appelle, elle est complètement soumise à oups. C'est-à-dire que si oups est là, ok, d'accord. Enfin, pourtant, il ne s'est jamais agacé, au contraire. Mais c'est un chien qui est extrêmement calme, qui est sûr de lui et qui n'a pas besoin d'autre chose, qui est un vrai chef pour le coup. Voilà, qui est là pour remettre de l'ordre. Et quand ça commence à chouiner un petit peu, qu'il estime que c'est un petit peu trop fort, eh ben il y va, il se met au milieu, il regarde tout le monde, du style, mais c'est quoi le délire? Et tout le monde s'arrête, c'est très bien. C'est très bien. Il remet en place ceux qui ont besoin d'être mis en place parce que trop énervés, trop excités. Et ça se passe très très bien. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien rencontrer les gens et le chien avant qu'ils viennent avec leur chien sur le terrain, avec les autres élèves, parce que je veux voir un petit peu d'abord, je veux d'abord connaître le chien, et moi ça me permet aussi de commencer à faire l'articulation de mon cours dans ma tête. Je sais qu'il y a tel chien, je les connais par cœur, ce chien là ok, donc il va falloir que je fasse attention avec un tel, avec machin, voilà, je commence déjà à mettre la trame en amont, de façon à ce que le cours se passe bien. Merci Lamont. Voilà, merci beaucoup. Non, des fois, tu sais, j'ai des mots qui me... Comme là, elle m'a parlé, je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai eu envie... ça m'a rappelé une chanson, je sais pas pourquoi. Romain, tu voudrais bien nous trouver Ménélique pour après? Tu veux quoi? Ménélique. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi, à un moment, t'as dit quelque chose dans tes phrases et ça m'a fait penser à la chanson de Ménélique. Tu es la seule qui m'a, je te le dis sans faille. Tu connais ça, Jean-Marc? Ouais. Ouais, non, mais si, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Bah, quand même. Vas-y, ouais. On t'écoute. Trouve-nous la version instrumentale pour Jean-Marc, s'il te plaît. Tu veux vraiment qu'il pleuve encore plus? On n'est plus à ça près, mais moi, tant que si je te vois chanter Ménélique, alors là, je m'incline. Mais je m'en souviens plus, mais enfin, je me souviens plus des paroles, mais ouais, ça.
T'as dû chanter, toi, ça. C'est pas nouveau, mais... Oui. Enfin, si, nous le trouvons, on verra bien. Le titre, c'est quoi? Bye bye. Ce qu'on va te dire si tu te dépêches pas un peu. Je sais pas, c'est bon, je l'ai... Ouais, il nous l'a préparé. Bon, Jean-Michel. Oui. Jean-Michel, alias la miche dans le milieu. Jean-Michel. Non, je suis pas dans la boulangerie. Ça va. Jean-Michel non, de J'aime les chiens. Déjà, avec les clients, on se tutoie, c'est déjà sympa, mais on va pas aller jusqu'à la miche, ça va aller un peu loin. Ouais, je vais en profiter justement, de faire un petit bisou à Snow, c'est ma chienne qui est aussi médiatrice canine. Pareil, on est pratiquement tous, quand on est éducateur canin, on a souvent un chien qui, si on a de la chance. Moi, j'ai une chienne qui a été élevée pendant 6 mois en meute parce que elle a été retirée à un éleveur, donc ils ont placé 55 chiens à la SPA. Donc à la SPA, ils ont pris une grange, ils ont fait une clôture autour, et les chiens, ils ont été élevés en meute pendant 6 mois. Donc ils connaissaient une seule personne qui leur donnait à manger, c'est tout. Pas de collier, pas de Ils ont tous été placés après. Ils ont tous été placés avec des éducateurs canins, parce que c'est que des chiens, c'est que des chiens qui avaient des tocs. Donc des tocs, c'est-à-dire problème d'agressivité, tout ça, savoir faire la hiérarchie dans la famille et autres. Donc c'était assez compliqué avec elle. Bon, maintenant c'est un ange. Mais l'avantage d'avoir été élevé en meute, même un pitbull, ça lui fait pas peur, quoi. Il y a même un client qui l'a appelé une fois Teddy Rainer, parce qu'elle l'a plaqué au sol, le chien il a pas bougé. Hein. Et non, c'est une chienne qui est hyper sympa. Toi tu l'as vu, oui. Quand on s'est rencontrés, elle est gentille avec tout le monde, mais il faut pas l'embêter, quoi. C'est tout. Recadrer les autres chiens. Et elle a le poil doux comparé à toi. Elle a le poil très, très doux comparé à moi et un peu plus de poil que moi. À peu près comme toi, mais pas un peu moins que moi. Mais non, et puis je trouve que l'émission est très intéressante parce que ce que parlait Sabrina là, au niveau des écoles et autres, moi je sais que ça m'aurait intéressé aussi de faire de la prévention dans les écoles par l'intermédiaire aussi de la SPA. Donc là, j'en ai parlé dernièrement à la dernière formation. Justement, là, Sabrina parlait d'une formation. On a parlé pendant la pause. Voilà. Alors, d'où l'intérêt de. Et Sabrina parlait de formation. Moi, ça m'intéresserait aussi parce que c'est pas parce que je suis vieux que Attends. Il a pris la relève de la Muriel parce que ouais, ça faisait longtemps ça depuis parce que Madame dit qu'elle est vieille. Hein. Voilà, bah alors ceux qui vont t'écouter, qui ont je sais pas quel âge, ils vont se dire « Attends, non, 51, t'es vieille depuis quand ?» C'est dans la tête, tout ça. De 51 ouais. Même à 70 piges, maintenant, t'es plus vieux. Ah, donc moi, je suis plus âgé. Qu'est-ce qui... Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, alors ? Il faut... Avoir 5 ans dans sa tête. Bah, c'est ce que je dis, c'est dans la tête. Voilà. 51 ouais, et puis, ans, vieille. Et puis, là, moi, je fais éducateur canin à mi-temps. Voilà. Avant, je faisais du bénévolat, et puis depuis que je suis à la retraite, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte pour, parce que à la retraite, on perd un petit peu de sous, donc je me suis mis éducateur canin à mi-temps. J'ai assez de travail pour faire un mi-temps. À côté de ça, c'est pour ça que j'ai du temps pour faire. Chip and Dale's. Chip and Dale's. Au sein des refuges. Le samedi soir. Mais non, à côté de ça, j'ai du temps pour faire délégué enquêteur et j'ai du temps pour faire la médiation parce que moi j'ai par rapport à certains éducateurs, j'ai quand même entre guillemets un salaire, j'ai la retraite qui me permet de faire d'autres choses à côté et pas me contenter simplement que de l'éducation canine. Et là, c'est vrai que la médiation, ça serait intéressant dans les écoles, parce que la dernière fois que j'ai fait un peu de médiation non officielle au sein du lycée Jeanne d'Arc, j'ai vu qu'il y avait des gros problèmes avec certains enfants qui avaient des phobies ou autres. Et leur expliquer déjà se comporter avec un chien dès le départ, ça éviterait beaucoup de morsures. Parce que ça, c'est un peu le souci. Hein. Moi, j'ai travaillé aussi avec des vétérinaires qui m'ont appelé pour des chiens mordeurs. J'ai fait un peu les évaluations. Et la plupart du temps, c'était le comportement de l'enfant qui faisait que le chien était devenu mordeur. Un chien, on ne le caresse pas de telle façon, on le maintient pas de telle façon. Il y a plein de choses. Donc voilà, je suis très content d'être à côté de Sabrina, c'est moi qui va pouvoir nous expliquer un peu tout ça, voir ses programmes. Et moi j'ai une question. Et puis avancer.
Non, c'est pas elle qui chantait dans les années 80. J'ai une question, là, Muriel qui disait, ouais, je suis vieille, Jean-Michel aussi. lui, il est resté là-dessus, parce que je rebondis. Est-ce que vous pensez que les animaux, justement, dans le cadre de la médiation animale, ils ont ce jugement d'être vieux, pas vieux, blanc, pas blanc, machin, vous voyez? Eh ben, ils sont plus doux avec les vieux, j'ai l'impression. Parce que des fois les enfants sont plus. Même avec les enfants, parce qu'on voit souvent que les animaux ont tendance à protéger les enfants. Donc voilà, peut-être que nous, on pourrait prendre exemple. Je sais que tu allais dire ça, mais je crois que quand tu vois rien que les informations, c'est foutu. Jean-Marc, là. Moi, j'ai un peu peur. Le mieux, c'est de pas les voir. On va faire adopteunvieux.com. Ça va être un. Et Jean-Marc, il va se proposer. C'est pour ça que Jean-Marc, il vit entouré de chats, il a raison, un sens. Moi, comme ça, je rentre malgré l'adversité, malgré les différences. Chez moi, il n'y a pas de jugement et ça me va bien. C'est très bien, Jean. Non, puis le chat est très bien quand on a un problème de santé, il sait comment se placer sur l'endroit où on a mal et puis ça nous réconforte. La semaine dernière, j'ai présenté un livre sur ça, les pouvoirs extraordinaires des animaux. C'est vrai qu'il y a des choses. Alors moi j'ai deux chats, alors par contre eux, ils n'ont pas de pouvoir extraordinaire. Même si j'ai mal au ventre, ils s'en servent de trampoline. Moi, là-dessus, j'ai pas beaucoup de chance. La dernière fois, on m'a retiré la vésicule biliaire et m'ont mis stouflé à sauter d'un meuble sur le lit, sur le ventre. Ça l'a pas dérangé. Lui, il a pas de pouvoir extraordinaire là-dessus. La meilleure façon d'aller d'un point A à un point B, c'est de tirer tout droit, quels que soient les obstacles. Chaleur. J'en reviens pas. Mais est-ce que chat fait mal quand il... Quand il y a mon mistouflé qui saute d'une étagère sur mon lit, ouais, ça... 5,5 kg, ça... On le sent passer, surtout si on s'y attend pas la nuit. Bon, en attendant, on va quand même laisser un peu la parole à notre invitée du jour, Sabrina. Sabrina, ancienne chanteuse dans les années 80. Sabrina, qu'est-ce que tu deviens, Sabrina? Médiation animale, voilà. Je suis surprise que t'as pas encore demandé à la maître. J'y ai pensé. Romain, t'as entendu ? Oui, j'ai entendu. Est-ce qu'il connaît ? Parce que dans les années 80... Ah oui, parce qu'à partir des années 80, on est vieux pour lui. Je t'explique tout de suite. Ça y est, les grands mots, comme ça. T'as connu quand même Sabrina, la chanteuse ? Bah oui. Vas-y, elle chantait quoi, par exemple ? Elle chantait Boys, Boys, Boys. Il y en a eu qu'une fois. Non, elle en a fait d'autres. Ouais, elle en a fait d'autres. Mais c'est vrai que c'est la plus connue. On se demande pourquoi. De toute manière, il doit connaître, parce que vu la couleur de ses cheveux, il a dû rester dans la piscine un peu trop longtemps. T'as vu, ça vient pas de moi pour une fois. Non, c'est bien. Hey, tu réagis pas là? Non, je vois si je peux préparer quelque chose. C'est foutu. Alors du coup, Sabrina de Pose Animal de Rouen. On dit Sabrina de Pose Animal ou... Ouais, sur Facebook, c'est marqué Pose Animal de Rouen. Donc voilà, si on veut aller voir. Vous allez voir, elle est très gentille, Sabrina. Ça y est, t'es à l'aise maintenant, tout? Ça va. Elle a foutu son bordel sur la table, c'est bien. On a même pu échanger autour de la pause sur quelque chose dont j'avais pas pensé à vous parler. Profites-en alors. Ouais. Donc la médiation animale, c'est mon activité principale, mais je fais aussi, alors c'est lié également, hein, mais ce qu'on appelle du PECRAM, alors c'est pas très joli comme sigle, programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Donc en résumé, ce sont des ateliers auprès des enfants entre 6 et... même 4 ans, on peut commencer à 4 ans, 4 et 12 ans. Et l'idée est de leur apprendre qu'est-ce qu'est un chien, comment se comporter avec le chien, comment approcher le chien, comment se présenter, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur du chien, éviter de courir, éviter de crier, enfin toutes ces choses-là qui sont relativement basiques, mais que finalement ne sont pas dites et explicitées et qui sont importantes parce que souvent on dit le chien il a mordu sans prévenir d'un coup, le bon golden de famille s'est mis à mordre, mais en fait c'est pas qu'il a pas prévenu, c'est qu'on n'a pas su comprendre ses signaux en fait. Donc avant de mordre, il s'est sans doute léché les babines, il a sans doute baillé, il a sans doute détourné la tête, il a sans doute baissé sa queue. Et ça, quand on le sait, on se dit là, ok, il faut arrêter ce qu'on est en train de faire. Donc par exemple, arrêter d'encercler le chien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais. Moi, je sais que, tiens, c'est bête que Madison, elle est partie. Elle est partie où, Madison, justement? Parce qu'elle a eu ce problème-là quand elle était plus petite. Je sais pas. Tu peux l'appeler pour voir? Et tu vois, elle s'est fait mordre par un chien, du coup? Par un de nos chiens. Mais oui. C'est un petit pincher Yorkshire.
et à la tendance, parce que Madison, elle adore les animaux. Mais oui, c'est mais beaucoup d'enfants, malheureusement, du coup, adorent et pensent que le chien adore quand on lui fait un câlin, quand on lui fait des bisous. Et en fait, le chien, il aime pas ça. Non, mais tu vas voir, si elle veut en parler. Tiens, et Madison, viens à côté de Jean-Marc, là, pour parler. On était en train de parler des enfants, par exemple, avec les morsures des chiens. Tu t'étais fait morte, tu te rappelles ? Enfin, c'était pas morte, c'était pincé. Oui, au nez. Qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, j'allais faire un câlin à Kerok, et du coup, sauf que après, il l'a mal pris. T'avais fait comment ? En fait, j'allais lui faire un câlin. Oui, mais tu le tenais dans tes bras. Oui. Et tu le serrais. Non. Ah si. Non. Il a d'allant souri, et donc il a, pour se libérer. Et probablement que lui, il était tranquille dans son panier à ce moment-là, non ? Non, parce qu'on était en train de jouer. Ah. Enfin, on n'était pas en train de jouer, mais on est. Mais faut signaler aussi que c'est un vieux pépère. Et puis. Oui, mais il y avait longtemps aussi. Oui, bah, toi, t'es une vieille mémère. Et donc, non. Mais elle dit. Tu le dis que tu lui en veux pas, Guéroc. Non. Elle dit même, c'est parce qu'en fait, elle l'avait attrapé, elle était un peu plus petite, et elle l'avait. C'est vrai, mais elle se rend pas compte, et pour se libérer, en fait, c'est la seule façon qu'il a eue. Ouais, voilà, c'est la seule façon qu'il a eue de se libérer, en fait. Alors, je pense qu'il a dû prévenir, enfin, il a dû montrer, par exemple, se lécher la truffe, c'est un signe que le chien, il cherche à se détendre lui parce qu'il est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors après, je pourrais pas te dire, je m'en rappelle plus à ce moment-là. Mais parce qu'on n'observe pas ça, mais maintenant, après avoir fait cette formation, moi, avec mes enfants, on se rend compte. Et des fois, rien qu'on parle de lui, le chien, il se lâche la truffe. Ça veut dire que rien que parler de lui, ça le saoule, en fait. Ah ouais? Ouais. On va regarder ça. Je crois que Guéroc, tout le saoule, lui, de toute façon. Lui, c'est vrai. Lui, il est tout le temps saoulé. Et du coup, j'ai des fiches pédagogiques, enfin bref. Et du coup, souvent, il y a deux groupes d'enfants. Donc, il y a 5 enfants d'un côté qui observent les signes du chien et 5 enfants qui font une activité avec le chien. Donc, agility. Et donc, ceux qui observent, ils notent tous les signes que fait le chien. Et à un moment, ils disent, là, faut arrêter parce que là, on voit que le chien en a marre. Et en fait, du coup, ils s'auto-contrôlent entre eux, ils apprennent comme ça entre eux. Et les enfants sont super réceptifs à ça à partir du moment où on leur explique les choses. Ils adorent. Ça après, serait bien ça, t'aimerais bien à l'école, non ? Ouais. Qu'il y ait, par exemple, Sabrina ou une dame comme Sabrina qui vient avec des animaux. Ouais. Et puis, forcément, ça passe aussi par expliquer les besoins du chien. Parce que souvent, en classe, quand j'explique du coup ce que je fais avec Target, mon chien, les enfants me répondent « Ah bah oui, mais moi aussi, des fois, je le sors. » Je dis « Bah oui, mais c'est pas des fois, en fait, que moi, je le sors. C'est tous les jours. C'est plusieurs fois par jour, en fait. » Et donc, c'est important que les gens prennent conscience qu'un animal, il a des besoins. Et tout le monde me dit, Target, il est sage. En fait, il est sage parce que tous ses besoins sont complétés. Il voit d'autres chiens tous les jours, il fait du sport. Donc, oui, il est sage, mais c'est pas un miracle. Moi, c'est pareil, je leur explique justement que c'est important quand même, ou mon fils, je leur dis pour sortir les chiens. Encore, je dis, mais eux, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin. Oui, parce qu'en fait, nous, on peut aller aux toilettes tout le temps, mais eux, ils peuvent pas aller aux toilettes, ils doivent se retenir toute la nuit ou des fois des jours. Ouais, et puis aussi, je leur apprends aussi que l'animal, il a sa vie sociale, c'est nous, en fait. Ils ont pas de... Enfin, en général, ils ont pas de copains, de copines. Tout ça, c'est la famille, ça, c'est nous, et c'est ce que j'essaie de leur apprendre, parce que c'est important aussi. Ouais, et puis, parfois, c'est vrai que de quelqu'un d'extérieur, justement, c'est encore plus facile d'apprendre que quand on est parent, on essaie de dire. Et du coup, ça soutient, en fait, à la fin de mes interventions à l'école, justement. C'est pour ça qu'ils repartent avec le petit diplôme. C'est pas parce que le diplôme a une valeur en soi, mais c'est que, du coup, ils en parlent après avec leurs parents le soir en rentrant. Et puis, ils se posent peut-être un peu plus de questions sur leur chien à eux, qui reste 10 heures par jour tout seul et qui fait tout un tas de conneries. Mais ils comprennent que c'est pas un hasard, en fait. Un chien, il est pas fait pour rester 10 heures par jour tout seul à la maison. Donc, de manière, le maximum pour un chien, c'est 6 heures. Voilà. Passé 6 heures, le chien va commencer à détruire tout ce qu'il y a dans la maison. Donc c'est vrai que les gens, quand ils nous appellent parce que le chien a bouffé le canapé, vous êtes parti combien de temps ? Je travaille en 12 heures. Ah bah oui. Voilà. Il fallait pas prendre de chien dans ce cas-là. Et après, le chien, il atterrit dans les refuges parce que on se dit, et en plus on le met en refuge en se disant c'est la faute du chien. Alors que non, en fait, le chien, il a juste un comportement normal. C'est l'humain qui n'a pas réfléchi
justement aux besoins et au temps qu'il avait apporté au chien, et qui égoïstement est content de voir un chien quand il rentre à la maison, sauf qu'il se pose pas la question de savoir ce que que le chien, lui, c'est pas une vie pour lui, en fait, de vivre seul. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris conscience du besoin du chien, en fin de compte, c'est ça le gros problème. Exactement. C'est que c'est pour ça qu'on a autant de chiens à la SPA. Mmh. C'est que déjà un chien, c'est un coût. Aussi. Déjà, de plus en plus, un truc tout bête, là, bientôt, moi, je pars en vacances, la résidence, on va, ils prennent pratiquement 100 euros la semaine pour le chien. Mmh. Donc, c'est un coût en plus. Le coût de nourriture, éducation et autres. Et puis... Les frais vétos qui peuvent monter, si on a un pépin... Ouais. Donc, il y a des dispensaires, justement, à la SPA, pour les gens qui ont très peu de revenus. Ouais, mais avant, t'en avais un, justement, sur Rouen, mais je crois qu'il a jamais réouvert parce qu'il trouve pas de vétérinaire. Ouais, c'est le gros problème. Alors que c'est une bonne idée, parce que après, c'est vrai, ce que tu dis, c'est, quand on prend un animal, on sait que c'est un budget, tout ça. Mais après, des moments, je pense aussi aux gens, par exemple, qui ont des animaux, qui perdent leur boulot, par exemple, ou un problème dans leur vie, puis qui tombent, mais qui ont besoin de leur animal, en fait, et s'en séparer, ça serait atroce. Mais ces gens-là, malheureusement, ils ont plus assez les finances des moments pour aller au véto, pour aller. Donc, c'est vrai que le dispensaire qu'il y avait, c'était une très bonne chose. Mais après, ça devrait être des choses prises en charge par l'État, je pense. De façon à aider. Hein, mais... Je sais qu'à Rouen, ils ont cherché des vétérinaires. Et ils ont même cherché des internes. Et ça a été très compliqué. Ils arrivent à trouver personne. Non, c'est ça qui est... Et puis les vétérinaires, ça les intéresse pas. Parce que vu ce que donne la SPA financièrement... mais bon, ça serait très bien, entre guillemets, pouce vers la main, de commencer comme ça pendant, je sais pas, faire 6 mois. Et il y aura un turnover qui ferait qu'en fin de compte, ils auraient toujours des vétérinaires. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Oui, voir avec les écoles de vétérinaires, oui, tout ça. Et puis pour la nourriture, il y a de plus en plus de refuges qui donnent de la nourriture. Hein. Moi, je sais que l'INTO donne la nourriture pour les gens qui n'ont pas les moyens. Nous, au niveau de la SPA, pareil, quand on fait des enquêtes, que c'est les animaux maltraités, on arrive avec certaines assos, ou moi, des fois, en contactant directement certaines personnes de la SPA, on peut arriver à avoir des aides pour la nourriture. Donc, on peut toujours y arriver. Oui, il y en a qui donnent des sacs, tout ça. C'est vrai que sans incident, comme tu disais, c'est vrai qu'à la base, il faut que les gens réfléchissent bien pourquoi ils prennent un chien. Ça, c'est le gros problème. Parce que, et puis, moi... Je défends un peu ma paroisse, mais à chaque fois qu'il y a une réunion à la SPA avec des éleveurs, je dis, mais il va falloir mettre en place un système que quand on prend un chien, il faut obligatoirement passer par une éducation canine. Moi, je dis, ça serait très bien qu'il y ait une loi qui soit faite ou un décret dans ce sens-là. Donc, je me bats pour ça à chaque fois. Alors, moi, on me dit, tu bats pour ton boulot. Je dis, non, je ne bats pas pour mon boulot. C'est que je m'aperçois de plus en plus que les chiens ont besoin d'éducation et que les maîtres, ils s'en moquent royalement. Donc, je pense qu'on devrait y avoir une loi que, vous payez, vous donnez une caution de temps. Et si vous éduquez pas au moins 3-4 leçons en sortant soit de la SPA ou d'un élevage, et ben que là, vous perdez votre caution. Parce que là, ça devient vraiment une cata, quoi. Les gens, ils ne font rien. Moi, j'ai une question. Il y a des gens, excusez-moi, qui sont capables de payer un chien à la mode de 1000 euros, mais qu'après, quand il faut débourser 50 euros ou 100 euros pour un cours d'éducation canine, là, il n'y a plus personne. Donc après, il faut essayer de faire la part des choses. Oui, puis t'es gentil. Moi, j'ai vu des gens, j'étais faire à Fécamp à éducation d'un Akita, il l'avait payé 5000 euros. J'aurais même pas imaginé qu'on puisse qu'il y avait des chiens. Il l'avait payé 5000 euros et le chien, il avait 2 ans parce que ils avaient plus de sous pour faire l'éducation. Je me suis dit, mais les Akitas, on en trouve un peu moins cher quand même. Moi, j'ai une question à vous poser à tous, parce qu'on parlait un peu des frais justement pour les animaux. Est-ce que vous pensez que là, en 2024, il faut aimer les animaux pour être vétérinaire? Non. Non, t'as entendu Jean-Marc a dit pareil. Non, mais malheureusement, non. Parce que nous, autour de la table, on aime les animaux et effectivement, on est surtout sur des animaux de compagnie, des chats, des chiens, des... Bon. Mais il faut savoir que les vétérinaires, notamment Maison Alfort, ils font tout type d'animaux et notamment les animaux de rente. Et vous avez des vétérinaires qui font ce métier-là pour être auprès du monde agricole, auprès des éleveurs. Vous avez des vétérinaires qui sont dans les abattoirs, qui sont dans les élevages industriels et qui sont dans une logique uniquement économique.
qui vont dans une ferme ou enfin dans un élevage industriel et leur leur démarche, elle est économique, c'est-à-dire que est-ce que l'animal que j'ai devant moi, est-ce que ça vaut le coup financièrement que je la soigne ou que je la soigne pas. Mais ils ont pas d'état d'âme, ils ont pas d'empathie envers les animaux. Pas tous, hein, il y en a quand même. Je suis sur les animaux de rente en fait. Ouais, j'étais étonné quand je me suis mis à mon compte, j'ai fait un peu le tour des vétérinaires. Il y a un vétérinaire, il ne fait pas du tout les chiens, il fait que les nacres parce que c'est beaucoup plus rentable. Alors j'ai dit, poser une perfusion à poisson rouge, ça doit être compliqué quand même. Mais c'est vrai, j'étais étonné. Donc il fait que les nacres. Non, parce que moi je vous pose la question parce que ça fait plusieurs temps là que je m'aperçois qu'en fait j'ai des gens qui me demandent comme on parlait tout à l'heure, il y a des gens par exemple qui peuvent être tombés, enfin voilà, une séparation, une perte de boulot, peu importe, et qui se retrouvent pas, puis des moments ils ont gardé leur bête et qui n'ont plus les moyens des moments pour le faire soigner. Et moi ce que j'ai vu pas plus tard qu'hier justement, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui a un chien qu'il a pas payé, hein, qu'il a récupéré, un chien qui a priori se serait blessé la patte. Et ben il a peur d'aller au vétérinaire parce qu'il a pas les moyens de payer la visite. Mais c'est très très cher. Moi je par mon mistouflé. Non mais c'est très cher, les frais vétérinaires. Mais après je comprends que le vétérinaire c'est plus cher qu'un médecin parce que c'est vrai que parler dire ce qu'on a. L'animal il peut pas dire ce qu'il a. C'est même pas ça. C'est surtout que nous sur nos soins on a l'habitude surtout en France que tous nos soins sont remboursés. Les gens ils vont à l'hôpital avec une ambulance, c'est remboursé. Ils viennent à l'hôpital, ils sont soignés, ils mangent, ils dorment, tout ça c'est remboursé, ils payent rien. Les soins or la santé coûte cher. Or un paquet de compresses stérilisées, ça coûte cher. Donc les frais vétérinaires, ça coûte cher. Moi, mon mistouflé, quand il s'est cassé la patte, il s'est fait opérer, j'en ai pris pour 800 euros. Mais faut pas oublier, quand on paye un vétérinaire derrière, le vétérinaire paye les impôts, paye l'URSSAF, paye comme une entreprise. Donc, quand vous payez les frais vétérinaires, il y a déjà la moitié qui repart en impôts. Ouais. Bon, ça, comme n'importe quelle entreprise, hein, tout ne va pas dans la poche du vétérinaire. Ensuite, le vétérinaire, les médicaments, tout son équipement, tout son investissement, il le paye. Enfin, je veux pas défendre les vétérinaires pour les défendre, mais c'est vrai que la démarche économique n'est pas du tout la même que nos soins à nous ou avec notre assurance maladie. Non, c'est cher, mais et on doit justement, en voyant ça, c'est là où on doit se rendre compte à quel point notre assurance maladie est un bien précieux. Parce qu'effectivement, demain, si on a le même système, comme certains le préconisent, de payer notre santé, on ne pourra pas en fait. Les soins vétérinaires, et puis après, les vétérinaires, c'est des gens qui font des études assez longues, qui font 7 ans d'études, donc voilà, qui ont une rémunération à la hauteur de leurs compétences et de leurs études. Certains abusent plus ou moins, certains n'abusent pas. Mais c'est pareil, quand dans le cadre avec la patte normande, quand des fois je fais des adoptions, que j'ai des chatons et qu'il y a des gens qui veulent éventuellement prendre 2 chatons, je les mets en garde, je leur dis attention, là vous avez 2 chatons, alors souvent c'est une fratrie, donc on veut pas les séparer, très bien. Mais sauf que c'est 2 fois plus cher et que quand il faut passer au vétérinaire, c'est compte double. Les vaccins, c'est 2 fois plus et c'est un vrai coût, c'est un vrai sujet. Alors maintenant, il y a des organismes, notamment où on peut payer un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers vétérinaire paye les soins, un tiers la personne et un tiers cette association-là. Faudrait que je retrouve. Moi, j'ai une mutuelle pour mes chiens. Alors maintenant, oui, de plus en plus, il y a des mutuelles, mais qui sont quand même assez chères. Mais je crois que y a pas 40 000 solutions, on n'évacuera pas le problème. Les frais vétérinaires, les frais de la santé, en général, pour un être vivant, ça coûte cher. Voilà, c'était une petite parenthèse vétérinaire, mais c'est vrai que c'est bon aussi de le rappeler. Après, comme tu disais, ils font des études. C'est vrai que vétérinaire, c'est compliqué par rapport à un médecin. Nous, si on va chez le médecin, on va dire on a mal là, le chien, il peut pas, à part si ça se voit qu'il boite ou qu'il a un truc. Mais... Oui, et puis les soins vétérinaires vont de plus en plus loin. Je vois au Havre la clinique vétérinaire féline. Maintenant, ils font des bilans sanguins avec des résultats très rapides, dans les 10 minutes. Ils font des radios, ils font une échographie, donc ça demande aussi de l'investissement. Ça demande que cet investissement il soit amorti, comme une entreprise. Avant, effectivement, il n'y avait pas forcément tout ça. Si nos animaux vivent de plus en plus longtemps, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on peut les soigner, on peut diagnostiquer certaines pathologies qu'on diagnostiquait pas avant,
avoir des traitements qu'on n'avait pas avant, mais tout ça, ça a un coût. Voilà. Et c'est pour ça qu'on revient sur la prévention, parce que malheureusement, pour la situation que tu disais tout à l'heure, bon, bah, parfois, effectivement, il y a un accident de parcours, on en arrive là, mais du coup, la prévention, elle est vachement intéressante dans ces sujets-là, parce que c'est assez simple, c'est de dire à la personne qui a envie d'un chien, bah, ou d'un autre animal, bah, qu'est-ce que vous êtes prêt à investir? Mais investir que ce soit en temps, en argent, Oui, il devrait y avoir des contrôles, des choses, mais c'est pareil. Et c'est important que la personne, elle se pose cette question-là. Il y a les gens qui... Dans le choix de la race aussi. Exactement, il y a des gens, ils prennent une race à la mode, voilà. Sans se questionner. Ouais, à un moment, c'était berger australien. Voilà. Parce que c'est obéissant, bah oui, mais en fait c'est obéissant parce que c'est un chien de travail à la base, donc ça aime travailler. Donc si tu travailles pas avec et que tu le laisses comme on en revient tout seul toute la journée. Non, le problème berger australien, c'est que il y a des éleveurs, ils ont voulu, ils croyaient qu'en croisant des merles, on allait avoir des merles. Mais en ayant parlé avec pas mal de vétérinaires, en fin de compte, il faut faire un cariotype pour savoir si génétiquement le couple est compatible. S'ils sont pas compatibles, on a une chance sur deux d'avoir des merles. Et s'ils sont pas compatibles, le merle que vous allez avoir, il va avoir des tares. Qu'est-ce que tu appelles des merles? C'est des bergers australiens qui sont bleus avec des yeux verrons, c'est les yeux qui n'ont pas la même couleur, tout ça. Et le problème, ces chiens-là, s'ils sont pas compatibles, on arrive à en avoir. Mais à deux ans, le chien, il vire complètement, il fait sa crise d'ado, mais alors pire que les autres races. C'est pour ça qu'on en a eu beaucoup à la SPA. Là, on en a un peu moins parce que maintenant, les éleveurs, ils ont compris, donc ils font des cariotypes pour arriver à savoir. Mais On t'entend pas, t'as pas de micro. Non. Ah, d'accord. Mais... Bon, on va laisser quand même un peu parler notre amie Sabrina, parce qu'elle a fait de la route quand même. Alors Sabrina, qu'est-ce que j'allais te dire? Je ne me rappelle plus. Oui, bah, est-ce que tu voulais revenir sur un sujet spécial ou pas? Non, mais je rejoins ce que tu as dit là. Par exemple, moi, il y a aussi... là, je viens d'accueillir un petit Jack Russell pour éventuellement... du coup, faire un deuxième chien avec lequel je pourrais aller soit en médiation animale, soit dans les écoles. Et pareil, à une époque, ça a été une mode aussi, hein, le Jack Russell. Moi, je connaissais pas cette race-là. Il a été abandonné à l'âge de 3 ans. Alors, pour des raisons, justement, t'en parlais tout à l'heure, de, a priori, séparation de couple... aucun des deux ne veut récupérer le chien, mais ce qui fait que moi je me retrouve avec le chien qui a 3 ans et qui n'a pas du tout été éduqué. Donc comme tout bon Jack, il va sauter, il va aboyer, il va se barrer. Donc je te rejoins là-dessus et c'est ce que je fais dans ces séances auprès des enfants. D'ailleurs, ça commence toujours sur les métiers du chien, pour leur montrer que le chien, à l'origine, a une fonction et que c'est pas pour rien si, à la base, il travaille. Enfin, c'est que, du coup, il a ces besoins-là. Et donc, voilà, faut être vigilant à tout ça. Mais je sais plus, du coup, ce que... C'est pas grave. Parce que comme le temps passe en même temps, le temps que tu réfléchisses à tout ça... On va passer à Jean-Marc qui avait un livre à nous présenter. Voilà, comme à chaque fois. Alors cette fois-ci, je vous ai amené le livre d'Hugo Clément. C'est un roman graphique, Le théorème du vaquita. Alors c'est quoi le théorème du vaquita? Alors je vais vous expliquer. En fait, si vous avez une maison en brique, si vous enlevez une brique d'une maison, il ne va rien se passer. Si vous enlevez 10 briques à cette maison, vous pourriez ressentir peut-être un léger courant d'air. Si 100 briques sont enlevées, vous verrez apparaître une fissure. Si vous enlevez 1000 briques, la maison risque de s'affaisser. Et bien cette maison, en fait, c'est notre planète et les briques sont les animaux disparus. Voilà, c'est ça la théorie du vaquita. Donc le vaquita, sinon pour information, c'est un globicéphale qui est en grand danger de disparition. Donc ce roman graphique, écrit par Hugo Clément et puis avec comme dessinateur Vincent Ravalec, il retrace en fait les principaux combats et reportages du journaliste Hugo Clément. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, il intervient sur France Inter dans l'émission En toute objectivité. Il intervient aussi, il présente l'émission sur France 5 sur le front. Et il a un média en ligne qui s'appelle Vaquita. Bon, alors donc vous l'aurez compris, hein, Hugo Clément, c'est un grand défenseur de la cause animale.
Actuellement, il est sur le dossier de l'incarcération de Paul Watson au Canada pour essayer de le faire rapatrier, notamment en France, et, mais qui parle pas au Japon dans ces cas-là. Sans quoi, Paul Watson, serait définitivement incarcéré au Japon. Oui, Paul Watson, c'est donc c'est le responsable de Sea Shepherd qui défend les océans. Et qui s'oppose notamment à la pêche aux requins et à tous les globicéphales, aux baleines. Donc voilà. Donc c'est un roman graphique qui retrace donc les principaux combats et reportages du journaliste Hugo Clément. Voilà, c'est des dessins qui sont très agréables, c'est très sympa à lire, on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment un très très beau roman graphique. Donc ça s'appelle Le Théorème du Vaquita de Hugo Clément et c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, je vais vous parler du téléloisir. C'est un très beau cadeau pour Noël. Noël approche, ça peut être un très beau cadeau pour Noël. Mais et puis, il y a toujours ton petit bouquin. On peut en parler aussi de ton petit bouquin. Mais oui, il y a toujours mon petit livre. Sois pas timide. Non. Bah, demain, je serai à Caen. Enfin, à côté de Caen, à Bougy, un salon du livre. Tu seras quand? Voilà. J'y serai demain. Où? À Bougy. toujours mon petit livre, dont les droits d'auteur sont reversés à l'association La Patte Normande, donc qui s'appelle Main dans la pâte pour le meilleur et pour le pire, aux éditions Le Lys Bleu. Bah oui, mais c'est bien de le dire, en plus, tout est reversé. Les droits d'auteur sont reversés à l'association La Patte Normande, qui en a bien besoin. Et ben voilà. Jean-Michel. Merci. Jean-Michel, JM, j'aime les chiens. Ça va, Jean-Michel ? Ça va. Tu disais quoi pendant... Parce que je crois qu'il a fait une petite erreur, c'est ça ? Oui, je crois que c'est pas le Canada, je crois que c'est la Norvège qu'il est incarcéré. Non, c'est le Danemark, pardon. Ah, c'est le Danemark, ça. C'est au Danemark, en fait. C'est au Danemark. C'est au Danemark. C'est au Danemark que Paul Watson est incarcéré. Tu vas pas nous l'énerver, quoi. Non, mais il a raison si j'ai fait une erreur. Mais c'était pas le Canada. Non, c'est pas le Canada, c'est le Danemark. Alors Jean-Michel, toi tu voulais nous parler justement... Des délégués enquêteurs pour la SPA parce que je suis le seul dans la région. C'est vrai ? Oui, je suis tout seul, abandonné. Comme Laurie. Comme Laurie, voilà. Je préfère rester toute seule. Bon, c'est pas mal d'être tout seul, mais le problème... moi j'aime bien le partage, je suis un peu pipelette aussi. Et puis c'est vrai que quand on fait des enquêtes, avoir plusieurs avis, c'est quand même plus intéressant parce que... Voilà. Et puis aussi, vu la société devient de plus en plus agressive, je préfère être avec quelqu'un que être tout seul parce que on a des gros soucis en ce moment d'agressivité au niveau des enquêtes pour la SPA. Est-ce que vous êtes assermenté, vous, SPA? Oui. Oui, on est assermenté, oui. Alors, tu me tapes dessus, c'est 3000 euros. T'as compris, Jean-Marc? Parce que je le voyais te regarder bizarrement. 3000 euros, Jean-Marc. Oui, mais on est assez monté. Fais penser au film avec les trois frères, là, tu sais, avec le huissier. Ouais. C'est combien? C'est sans patate. Ouais, mais moi, je n'ai absolument pas envie de taper sur quelqu'un qui défend la cause animale. Bon, c'est non. Un ami. Moi, tous les gens qui défendent les animaux sont mes amis, en fait. Les autres. Tiens, j'ai vu qu'il y avait Brigitte Bardot, je crois qu'il s'est séparé, Jean-Marc, la place est chaude. On sait jamais. Pourrait venir avec. Grande défenseuse des animaux, Brigitte Bardot. Ah ouais, elle a une fondation qui est fabuleuse. Elle est fabuleuse, cette femme-là. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que je te donnais l'info, parce que j'ai vu ça passer. Oui, mais bon, elle est loin. Elle est très loin, oui. Enfin, elle est dans le sud. Mais, Alors Jean-Michel, alors, parle-nous de tes... Alors c'est une mission pour lutter contre la maltraitance de tous les animaux. Alors moi je suis spécialiste chien, chat et équidé, chevaux, poneys et autres. On intervient suite à des demandes faites par des gens. C'est-à-dire si tu vois un chien qui est maltraité, tu vas directement sur internet, sur le site de la SPA, et puis tu fais une réclamation par laquelle que tel gens maltraite son chien et tu donnes l'adresse et ainsi de suite. C'est complètement anonyme après. On donne jamais le nom des gens parce qu'on veut quand même pas ça termine en pugilat dans le village. Mais excuse-moi, je te coupe parce que je me demandais, il y a un numéro aussi maintenant, mais 30, c'est pas. Brandon n'est pas là. Il aurait pu donner son numéro. Le 36. Attends, le v'là avec son numéro là. Ah ça. Bah c'est ce que je disais la dernière fois. Malheureusement ils ont décliné à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on se questionne souvent sur la méthode. Est-ce qu'on va directement comme tu dis sur le site de la SPA? Est-ce qu'on appelle ce numéro? Le 36 77. Oui mais justement j'en ai parlé la dernière fois à la SPA. Ils sont pas Panchos?
trouve pas chaud parce que les gens ils sont pas sûrs derrière, ils assurent pas grand chose. Ah oui, parce que nous, Brandon a essayé de les contacter et. Oui, tu m'en avais parlé, oui. Voilà, ouais, à trois reprises, effectivement. Du coup, il devait intervenir dans l'émission. On avait je sais pas si je peux donner son nom. C'est bon, un sénateur, ancien député, et c'était le président de 3677, là, d'un parti animaliste. Et du coup, à trois reprises, ils sont pas venus. Dans l'émission. Pourquoi, du coup ? Parce qu'ils voulaient qu'on donne les questions qu'on allait poser avant, alors qu'il n'y a rien de mal. Toi, moi, je pense qu'en plus, un numéro comme ça, on est là pour les mettre en avant, pour expliquer aux gens ce que c'est. Alors, il n'y a pas de questions pièges, il n'y a rien du tout, au contraire. Alors, c'était compliqué, quoi. Oui, voilà. Donc, après, tu veux. Moi, je dis, c'est pareil. Il y a certaines assos, certains refuges à qui on propose justement de venir parler d'eux, de les mettre en avant. Des moments, il faudrait les supplier ou les payer, je sais pas, puis il faut pas venir pleurer derrière, c'est tout. Oui, mais cette personne, je sais pas, la SPA, no comment, comme ils disent, apparemment c'est un truc un peu bizarre, quoi, donc je veux pas m'étendre dessus. Non, le mieux c'est d'aller sur le site de la SPA, vous signalez le problème avec le nom, l'adresse et ainsi de suite, l'année numérique toujours respectée. Moi je me déplace, ou mes collègues de la SPA, on se déplace, on fait une enquête sur place, on contacte la gendarmerie, la police, le bailleur. C'est vraiment une enquête comme font les gendarmes pour arriver à voir où est le problème. Et une fois qu'on a un peu tous les éléments, après on va voir la personne qui est incriminée. Donc c'est là qu'il faut mieux être deux, parce que c'est vrai qu'on a affaire des fois avec des gens pas faciles. Et on va chez les gens. Alors des fois c'est simplement un problème de voisinage. Oui, c'est ça, parce que des fois, tu as des gens aussi qui vont faire des signalements ou des témoignages, c'est parce qu'ils sont en guerre contre leurs voisins. Voilà, c'est ça, oui. Alors moi, par contre, quand ce genre de choses se passe, moi, je vais voir la plaignante et puis... Puis tu lui dis, je suis assez remonté. Non, je lui explique que c'est pas bien de faire ce genre de choses. Ah bah non, il faut pas que ça soit de la diffamation non plus. Non, c'est pour ça, parce que souvent on s'est déplacé pour ça. Donc, non, mais heureusement qu'il y a une enquête, parce que sinon tu vois, t'imagines quand même, on vient te piquer ta bête parce qu'il y a eu un signalement, en fin de compte. Oui. Mais on fait des enquêtes. Et puis, oui, c'est vraiment un travail comme les gendarmes, quoi. Donc, par an, il y a quand même environ, combien il disait la dernière fois, 27 000 signalements qu'il y a de maltraitance sur la France. Ça a augmenté de 40%. Voilà. Et on est très peu, hein. On est 1000 quelques délégués enquêteurs. Justement, alors, si demain on a envie de devenir enquêteur et SPA, comment ça se passe ? Il faut contacter directement la SPA. Eux, ils vont vous envoyer un questionnaire avec une petite lettre de motivation. Et puis, après, y a un délibéré qui fait que vous êtes ou pas délégué enquêteur. Mais ça se fait simplement. Hein. Généralement, si vous êtes motivé contre la maltraitance et pour la cause animale, on vous prend. Parce qu'en plus, il manque pas mal de monde. Bon, ce qu'il y a et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même être assez diplomate. Ouais, quelqu'un qui s'énerve tout de suite, c'est pas. Ouais. Non, c'est pas le bon plan. Il faut prendre beaucoup de recul, parce que y a des actions qu'on fait et on n'arrive pas à retirer l'animal. Parce que nous, quand on est coincé, on a d'autres services juridiques qui prend le relais. Et donc nous, on reste comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. Et moi, j'ai vu des chiens qui avaient été battus et on n'arrivait même pas à les placer. Donc, il faut vraiment arriver à prendre sur soi, parce que c'est très compliqué. Hein. C'est un travail psychologiquement, c'est très dur. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait un travail où j'ai appris à prendre du recul. Mais les gens qui n'apprennent pas à prendre du recul. Très compliqué, hein, quand vous voyez des poneys avec des sabots qui font 50 cm de trop, tout ça, et puis que la personne ne veut pas s'en occuper, vous pouvez pas le placer. Vous pensez à l'animal, c'est vrai que des fois vous dormez mal. Mais non, en général, ça se passe bien, et en général, c'est surtout de la prévention. Et puis beaucoup d'éducation, expliquer aux gens ce qu'il faut faire, c'est-à-dire on a beaucoup de problèmes avec de chiens qui sont accrochés avec une chaîne à la niche. Alors il faut leur expliquer que déjà c'est réglementaire, c'est plus de 2 mètres, 1 mètre c'est trop court quand même, qu'il faut mieux lui mettre quand même de l'eau, ça serait bien. Donc moi
Ce que je conseille le plus aux gens, s'ils ont des poteaux ou des arbres chez eux, c'est faire un trolley, c'est tendre un câble entre deux arbres, de façon que le chien il ait au moins 5-6 mètres pour courir, tout ça. Parce que c'est vrai que c'est que de la prévention. Grosso modo, on fait beaucoup de prévention, puis il y a des quartiers où on n'y va pas, parce qu'il y a en France des quartiers de non-droit. Alors, il y a certains quartiers, moi, maintenant, je commence à connaître sur Libonne, bon, au Havre, je n'y allais pas, parce que tout meilleur, quand on appelle la police, ils disent, tout meilleur, nous, on passe, on ne s'y arrête pas, donc moi, je ne vais pas m'y arrêter. Donc, voilà. Ouais, et puis surtout, si tu vas pour enlever un chien, ouais, tu vois, Oui, et puis il y a des quartiers, comme on disait tout à l'heure, ils font encore du combat de chiens. C'est des chiens qui sont élevés ouais, on dans vu, les caves. Tu te rappelles la fille que tu connaissais, ouais. Les chiens, ils sont élevés dans les caves. Ils voient même pas le jour. Ce moment où ils voient le jour, c'est pour aller combattre un autre chien. Et c'est vrai. Après, on nous appelle. Oui, on a entendu un. Ah, mais ça a choqué beaucoup de monde. Hein. Je te rappelle, excuse-moi, je t'ai coupé Jean-Michel, mais quand Coralie qui a s'appelé, elle était venue en Paris, il y avait beaucoup de monde par la suite qui ont été étonnés d'entendre qu'il y avait des combats de chiens. Alors ils en ont entendu parler, mais ça les étonnait en fait que ça se passe à côté de chez eux, tu vois. Et les gens pensent que oui, il y en a, mais ailleurs. Et ça existe encore. Elle avait expliqué qu'il y en avait au Havre, et du coup, ça. Ouais, combat de. Là, il y en a plus maintenant au Havre. À un moment, il y avait même des combats de coqs. Ouais, bah ça, c'est une mode qui est en train de venir, ça, le combat de coqs. Il y a des régions comme le nord de la France. Là, il y en a beaucoup aussi. Hein. Le sud aussi, non c'est... Sud-ouest. Bah, sud-ouest. Sud-ouest, c'est surtout la corrida. Ouais, mais sud-ouest, il y a aussi combat de coqs, mais dans le nord. Alors là, dans le nord, ouais, dans le nord, c'est la folie. Là. Folie. Ouais. Et puis combat de chiens. Mais le problème, c'est que, alors les chiens, en plus à la base, c'est des chiens qui sont une race de combat, donc ils sont déjà pas faciles à éduquer. En plus, ils sont avec des gens qui ne savent pas éduquer les chiens. Eux, les éduquent à coups de pied. Donc, en fin de compte, le chien, il connaît que de la violence. Quand derrière vous passez pour vous occuper de ce genre de chien, vous avez des gros soucis. Et puis déjà, il faut rentrer dans ces quartiers. Quoi. Dès que il y a certains quartiers, moi ils m'ont repéré. Hein, alors maintenant, je connais le truc. Dès que j'arrive, il faudrait que je retire l'autocollant derrière ma voiture, parce que dès que j'arrive, on entend des sifflements. Donc ils sifflent entre eux comme ça. Et puis dès que je m'arrête, il y a toujours un qui vient me voir. Il me dit faites demi-tour. Je oui, d'accord. Au revoir. Donc maintenant, j'y vais plus. Alors c'est bête parce qu'on sait qu'il y a des animaux qui sont maltraités là-bas, mais on peut rien faire, quoi. Ouais, c'est quand même vrai. Bon, pareil, lui nous a flingué le moral aussi. C'est pas Jean-Marc, c'est Jean-Michel. Non, mais ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de loi plus sévère pour interdire les combats de coqs. Les combats de coqs, c'est comme la corrida, hein, ça reste autorisé. La corrida, c'est autorisé. Il faut savoir que toute cette violence faite aux animaux, elle rejaillit sur les hommes. C'est-à-dire, quand on est violent, on est violent. Moi, j'en suis intimement convaincu, je l'ai déjà dit à ce micro. Quand on est violent avec des animaux, on est violent avec ses semblables, avec les hommes. Je veux dire, ou on a de l'empathie, ou on n'en a pas. Ou on est bienveillant, ou on n'est pas bienveillant. Donc, la protection animale, c'est aussi la protection des enfants, c'est aussi la protection de... Voilà, c'est notre protection à nous, parce qu'on peut pas dissocier. Hein. J'ai déjà dit, je l'ai mis en exergue dans mon livre, c'est Montaigne qui disait « L'homme n'a pas deux cœurs, un cœur pour les animaux et un cœur pour l'homme, il a du cœur ou il en a pas. » Et moi, je suis intimement convaincu avec ça. Voilà. Et tant que les députés ne légiféreront pas, notamment pour arrêter la corrida, alors, il y a une proposition de loi qui va venir au Sénat en novembre pour limiter la corrida aux mineurs. Bon, non, a priori, cette loi ne passera pas, évidemment. Donc, c'est pas la peine après de nous parler de sécurité, de violence, tant qu'on sera dans ce registre-là. Parce que c'est la base. La base, elle est déjà de respecter les vivants, comme tu le disais, déjà auprès des enfants. Apprendre aux enfants à respecter les animaux, tout simplement. Mais vous pouvez pas dire à des enfants de respecter les animaux et après à les emmener à la chasse ou à la corrida ou à des combats de coqs, des combats de chiens, je ne sais pas. C'est pas possible, ça, en fait. Ça marche pas. Et tant qu'on autorisera ça, tant qu'on autorisera des enfants, moi je vois quand je vais en forêt contre la chasse à cour où vous avez des gamins sur les épaules des parents en train de voir un cerf asservi, c'est-à-dire donc tué à la dague, tant que vous montrerez pas ça à des enfants, alors que par exemple à la télé vous avez l'anciennement le CSA, là je sais plus comment c'est maintenant, qui interdit aux enfants de voir ces images-là, mais tant qu'on autorisera les enfants à voir ce type de spectacle,
comment voulez-vous que l'enfant, après, soit calme et bien dans sa tête? Et comment voulez-vous qu'il soit bienveillant? C'est impossible. Il y a des tas de, d'études maintenant psychologiques et psychiatriques qui le démontrent. Donc, faut pas oublier que la perversité, la définition de perversité en psychiatrie, c'est l'absence d'empathie et de compassion. Voilà. Quand on n'a pas d'empathie et de compassion, on est pervers. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout compris. Bon, bah, merci Jean-Marc. Moi, je voudrais bien qu'on fasse quand même, avant de faire une petite pause musicale rapide, j'ai reçu un message d'un jeune coq qui veut témoigner. Il s'appelle Cyril et il viendra témoigner juste après. Ce qui est important, c'est que tu prennes le micro aussi. Non, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est comme pour tout, ils nous balancent des nouvelles lois, ils veulent faire des nouvelles lois, mais déjà qu'ils commencent par appliquer celles qui sont là. Notamment pour la maltraitance animale, on a déjà des lois. Plein de choses, mais elles ne sont pas appliquées. Point. Donc, qu'ils commencent déjà par ça, par appliquer ce qui est déjà inscrit, et je pense qu'effectivement, entre ça et le travail de prévention et ce travail de médiation, déjà, on arrivera à faire beaucoup de choses. Et bien, effectivement, ça commence avec les enfants. Effectivement, ça commence avec les enfants. C'est pour ça qu'aller dans les écoles, aller dans les centres de loisirs, pour dire aux enfants ce qu'est le vivant et comment respecter le vivant, que ça commence par le chien ou le chat, Et même les petites bêtes, hein, je fais aussi des ateliers d'éveil à la nature. Déjà commencer par pas écraser l'escargot, les vers de terre. Moi, la dernière fois, je suis passée. Il y avait une fouine qui était écrasée. Ça, c'était pas une carpette. C'est pour ça qu'il a arrêté de chanter, alors, la fouine. Mais je me suis arrêtée, j'ai pris le corps de la bestiole et je l'ai posé dans l'herbe à côté. Bon, il n'y avait plus rien à faire, elle avait la tête écrasée, mais je l'ai mis sur le côté de façon à ce que personne ne roule dessus en plus. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi ça, le respect c'est aussi respecter. Exactement. Quand ils sont morts. Combien de fois j'ai vu des bestioles écrasées au sol, des lapins, des trucs. Arrêtez de rouler dessus. Déjà, on respecte le vivant, on respecte la mort aussi. Et c'est un tout. Et si on n'apprend pas ça aux enfants, on va droit dans le mur. Et aujourd'hui, encore une fois, au niveau judiciaire, il y a des lois, il y a des choses. Commencez par appliquer ces lois-là, et déjà, je pense qu'on fera. Oui, puis il faut appliquer les décrets, parce que faut moi, je pensais que le décret pour les colliers étrangleurs, électriques, les colliers électriques étaient passés. Et là, la dernière réunion que j'ai eue avec la SPA, ils m'ont dit non, et le décret est toujours pas passé. Donc, et j'ai appris un truc sur le Havre. Alors là, il va falloir vraiment que je me renseigne, parce que il y a un monsieur qui m'a appelé pour son chien. Et je lui ai dit, votre chien, pour le socialiser, ça serait mieux qu'il aille avec d'autres chiens, donc dans un club ou autre. Et il m'a dit non, parce que où je suis allé dans le club canin, l'éducateur lui a dit, tout bien, votre chien, je peux rien faire, il n'y a qu'un collier électrique. Éducateur canin qui propose un collier électrique. Alors là, j'étais étonné. Donc j'ai demandé le nom de la personne et puis François. Je vais y aller au départ. Étant délégué enquêteur. Les tortacus, des colliers étrangleurs, il y a encore des éducateurs canins au club qui proposent ça. Et collier à chaînette. Ah voilà, il y a le pour et le contre, mais le problème, c'est les colliers électriques, ça, c'est pas possible, quoi. Un éducateur qui a un collier électrique, moi, c'est. Alors moi, on m'a traité un peu de bourrin au début quand je me suis mis à mon compte parce que j'ai un diplôme militaire, j'étais instructeur maître chien, éducateur canin à l'armée, et on m'a dit oui, de toute manière, t'es pas éducateur canin parce que t'as eu une formation à l'armée, et l'armée, c'est des bourrins. Je m'excuse, mais nous, on faisait la méthode positive il y a de ça 40 ans. Donc c'est pour aussi que je ne suis pas un bourrin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises langues. Il y a du ménage à faire. Ah il y a beaucoup. Bon, là, vous allez m'endormir, Romain, là. Depuis tout à l'heure, il attend, il nous a préparé ces deux titres. Oui. Alors, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que tu nous as préparé? Fais-nous la surprise. Ah, la surprise. Donc, le premier, c'est Ménélic avec Bye Bye. Voilà, pour Jean-Marc qui va nous la chanter, version karaoké. C'est pas karaoké, là. Et ensuite, Laurie avec Toute Seule. Vas-y, nous on se retrouve dans quelques minutes. Il sera presque l'heure de nous quitter, hein. Ça passe très vite. Et puis, on fera un petit tour de table. À tout de suite sur RVL. Ah, c'est vraiment pas le moment. Mais c'est clair.
tu es la seule qui m'aille. Je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Une de frais, on s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais, c'est vrai. Je te connais par cœur, j'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions, dis-moi plutôt à quoi tu joues. Tu joues à la figure, on a marre de te voir en état. Tout ça parce que tu préfères traîner avec les lascars. Il est tard, chérie, écoute le ton, tu fais trop de bruit. Ce ne sont pas des lascars, ce sont mes amis. Amis, et pourquoi m'appelles-tu quand tu n'es pas là? Sans doute par respect et tes présences envers toi. Les bâtards. Tes potes ne se gênent pas pour me narrer tes exploits. Aussitôt le dos tourné au téléphone, il me drague. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en flash. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool gars, sinon je te dirai bye bye. Attendu pour le faire. Toi et ta horde de serpents, je vous souhaite bien du bon temps. Je suis parti à présent, ce sera l'heure, j'ai à présent. Tu souris encore, même pas lance d'un remords. Change d'attitude, ou je souhaite un nouveau décor. Allez bye bye, tu prends tes clics, tes claques et tu te tailles. Ta mère avait raison, laisse-moi donc et ma baguette, tiens parlant d'elle. As-tu trouvé sa muselière? Cassez la voix dans cette affaire, ne touche pas à ma mère. Qui le voudrait, c'est vrai, c'est un vrai supplice de la voir. D'autant plus qu'elle s'invite ici à dîner tous les soirs. J'ai jamais compris pourquoi tu affiches tant de mépris envers ma famille, spécialement ceux qui t'apprécient. Elle m'apprécie, moi ou mon porte-monnaie, peut-être les deux qui sait. Arrête s'il te plaît. Tu es le seul qui m'a, je te le dis sans faille. Tu es la seule qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool gars, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu t'inquiètes du bruit, occupe-toi de ce qui se passe chez toi. Chez moi, ça allait jusqu'à une certaine prise de tête. Ce qui me contrarie, c'est d'avoir trouvé la femme parfaite. Pas d'amis, pas de sortie, pas de criolis, pas d'envie. Et accessoirement, pas de sexe aussi. Le bonhomme, je rajouterai sur la notice. Il faudrait pouvoir dégonfler après service. C'est un coup bas. Ok, excuse-moi, mais je t'en prie, prends-moi tout dans tes bras. C'est trop facile. Excuse-moi, je n'ai pas fini. Arrêtons, non. On va y passer le reste de la nuit. Je me suis lassé, je suis cassé. J'en ai plus cassé, l'air doit déchargé. Si ça, tu ferais bien de l'effacer. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool gars, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'a, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Je suis toute seule.
Voilà, merci Romain. C'était Laurie avec Je préfère rester toute seule. Voilà, pour certains. Alors du coup, bah ça y est, on touche à la fin. 2 heures d'émission, c'est passé encore très vite une fois de plus. Jean-Marc, si tu voulais revenir sur quelque chose, oui. Ton actualité aussi. Bah je te dis, donc demain. Merci je... Jean-Marc. Voilà. Non, je le taille à chaque fois. J'y fais non, non, j'ai dit demain, je suis à Bougie pour un salon du livre. Fais gaffe à pas fondre. Voilà. À Bougie. À côté de Caen, et puis tu vas me dire quand est-ce que c'est. Voilà. Non, bah, je crois qu'aujourd'hui, on a bien, bien discuté. Je pense que ça a été très, très intéressant pour les auditeurs. C'était très sympa. On a bien mangé aussi. Ah bah là, faut dire que, voilà. Avec des bonbons vegan, oui, entre autres. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui que tu en avais ramené, des bonbons vegan. D'habitude, voilà, c'était très, très sympa. Et puis, bah, on peut redonner le titre du livre que tu nous as présenté aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous ai présenté Le théorème du vaquita de Hugo Clément. C'est un roman graphique très, très, très sympa, très agréable à lire, où l'auteur retrace un peu ses différents combats pour la cause animale, on va dire en général. Et puis, donc, on le rappelle une nouvelle fois, mais si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à des gens qui aiment les animaux, bah, il y a le petit bouquin à Jean-Marc. Voilà, il n'en tire aucun bénéfice, ça, il faut le dire aussi, hein, parce qu'on pourrait dire qu'on fait une pub, mais non, ouais, c'est... Les droits d'auteur sont reversés à l'association La Pâte Normande, et le bouquin s'appelle « Main dans la pâte, pour le meilleur et pour le pire, aux éditions Le Lys Bleu ». Voilà, bah merci beaucoup. Jean-Marc. Ouais, merci à toi, Mika, merci donc, beaucoup. De toute façon, la semaine prochaine, tu ne seras pas là, du coup. Si, je pense que je vais venir la semaine prochaine. Après, en novembre... J'essaie de m'en débarrasser. Après, en novembre, je ne viendrai pas et je... Attention, mois de novembre, il y a mon anniversaire. T'as intérêt d'être là. Je le souhaiterais, mais en novembre, je retourne avec mes amis en forêt, contre la chasse à courre. Ouais, malheureusement, hein, on le rappelle, aujourd'hui, tu vois, Cyril, t'étais pas là, il y a eu un beau cerf, et on a eu la photo avec... Des grands, comment on dit des bois, des corps. Qui a été tué, là. Un cerf bicorps, puisque en France, on autorise la chasse à courre en période de brame. Ouais, c'est la période du brame en ce moment. Ouais, donc les cerfs, en fait, sont épuisés. Là, en fait, au bout d'un quart d'heure de chasse à courre, ils l'ont abattu. Parce que les cerfs, là, ils sont épuisés. On est en fin de période de brame et c'est un véritable scandale qu'on puisse chasser à cette période-là, quoi. Parce que là, c'est un vrai jeu de baltrap, en fait. Bon, puis vous pouvez suivre, de toute façon, les vidéos, hein, s'il y a des gens qui veulent voir un peu plus sur Jean-Marc, hein, il a une page. T'as une page aussi des animaux et des livres? Alors oui, que j'alimente régulièrement, que les gens peuvent alimenter pour présenter des livres, de la littérature animalière. La page s'appelle sur la Facebook des animaux et des livres. Oui, parce que là, j'ai essayé de mettre un livre de Tintin, on m'a refusé, non, c'est pas vrai. Voilà. Bon, bah, merci. Muriel! Bon, aujourd'hui, Muriel a été tout doux, hein. C'était son retour. Tranquille aujourd'hui. Oui. Là, je me suis pas fâchée ni rien du tout. J'ai même pas poussé de coup de gueule. Non, puis t'as pas dit que t'étais vieille. Ah oui, une fois. 51 ans. Tu vois, je m'améliore. Hein, voilà. Alors, Muriel, toi, Happy Dogs. Happy Dogs, toujours. Rendez-vous, du coup, demain matin aussi, non? Demain matin, de 10h à 11h à Saint-Jouin, sur le terrain. Il y a encore de la place, là, du coup, ouais. Oui, normalement, ça va dépendre du temps, hein, parce que si on se prend des baignoires, évidemment, le cours est annulé, et puis ça sert à rien. Mais bon, si ça se maintient comme ça, tant qu'il n'y a pas d'eau, ça va, tout se passe bien, on s'en fiche. Maintenant, s'il y a vraiment des hallebardes qui nous tombent dessus, c'est agréable pour personne. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est à côté du labyrinthe des falaises, pour ceux qui connaissent. On te revoit bientôt. Oui, bah, je vais essayer de revenir un peu plus souvent. On a Jean-Luc aussi qui m'a appelé hier, qui va revenir aussi, mais c'est pareil. Bah, le principal, c'est vous, déjà votre boulot avant tout. Hein, c'est clair que... Y a des moments, c'est pas forcément facile. Et puis, y a ça. Et puis, il y a le quotidien aussi qui fait qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Oui, bah oui. Et voilà, c'est ce qu'on peut pas faire des moments en semaine, il faut bien qu'on le fasse à un moment donné. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci d'être passé. Et puis, à bientôt, Jean-Michel de J'aime les chiens. Toujours là. On voit ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura retenu de Jean-Michel? On aura retenu que devenez bénévole, délégué enquêteur. Ouais, si on veut des infos, on peut. Donne ta page Facebook, justement. Ouais, sur J'aime les chiens, éducateur canin 76. Voilà, si vous mettez un petit message, et puis moi, je vous ferai le topo pour devenir bénévole. Non, c'était très bien aujourd'hui, c'était assez interactif.
Et puis, c'est bien d'avoir une éducatrice canine avec qui je me prends pas la tête, parce que la dernière fois, je me suis pris un peu la tête. Avec... Et il y a une éducatrice canine qui est venue me voir, et puis qui était assez véhémente, parce que, je sais pas, elle aime pas la concurrence, à mon avis. Donc là, c'est très bien, là. Bon, bah, merci Jean-Michel. Et à toi, merci à et toi. Et t'as de l'actualité pour le week-end prochain? Tu fais quelque chose? Non, bah, si tu veux, je peux venir ce week-end prochain. Ouais, on essaie de se faire une raclette. De toute façon, il va commencer à faire froid. On va voir ça. Sabrina. Ah oui, tu voulais redire quelque chose, peut-être, non? Ah bah. Non, non, c'est bon. C'est bon, là. Bon, bah, merci. On va avoir Jean-Michel. Plein d'infos avec Sabrina. Bah, là, ouais. C'était bien, là. Alors, Sabrina, qui est venue de Rouen. Pause animale, vous retrouvez ça sur Facebook. Et il y a en plus une chose, parce que je fais le lien aussi avec les livres. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la troisième partie de mon activité, mais on va le faire très rapidement. Dans les actualités, justement, le 9 et 10 novembre, il y a le Salon du Livre Jeunesse à Rouen, qui se déroule tous les ans à la Halle aux Toiles, et j'aurai un stand de lire avec le chien. Ah bah parce qu'il y a aussi des actions pour favoriser la lecture. Le chien peut être un bon médiateur en ce sens. Donc, on va envoyer Jean-Marc en enquêteur. C'est pour ça que je le disais, parce que je me disais que ça pourrait sans doute intéresser Jean-Marc aussi. Ça serait... Enfin, après, tu vois, pour les coordonnées, tout ça... Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est ouvert à tous, hein. Il y a aussi des auteurs de tout horizon qui seront là, donc c'est assez sympa cet événement. Et cette année, pour la première fois, il y aura en plus le chien. Bon, ben voilà, en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Maintenant, tu connais la route, hein, tu viens quand tu veux. Quand tu as un samedi disponible, t'hésites pas, tu nous le dis, et puis tu peux venir même participer à l'émission comme ça. Hein, un jour, il fera beau aussi, j'aimerais bien. Il fait beau tout le temps ici. Parce que là, aujourd'hui. Non, mais il fait beau tout le temps. Bah, puis c'est bien. Bah, merci beaucoup, Sabrina. De toute façon, on te retrouve sur Facebook, tout ça. Et puis, tu nous tiens au courant de ton actualité. Merci, Brandon. Merci, Mickaël, pour ma nouvelle chronique. Ah, t'avais préparé quelque chose? Bah, les infos insolites, comme on avait dit la semaine dernière, effectivement. Il y avait 13h59, passé de 30 secondes. Et bah, comme ça, t'en auras deux pour la semaine prochaine. Exactement. Non, mais c'est vrai que t'as bossé à côté, c'est pour ça. Ouais, effectivement. Donc, j'espère qu'il y aura une place la semaine prochaine autour de la table, quand même. Ouais, là, c'est vrai qu'on était beaucoup aujourd'hui. Jean-Michel, oui. Ouais, j'ai une petite info à dire. Ce soir, à 17h45, devant les mairies, il va y avoir beaucoup de cyclos qui vont être là en hommage au cyclo qui s'est fait écraser sur Paris. Donc, il y aura une minute de séance à 17h45 devant certaines mairies de la région. D'accord. Voilà. Bon, bah, l'info est passée. Merci, Romain. Merci, Mickaël. Et puis, est-ce qu'on te retrouve samedi prochain? Bah oui. Oh, il est magnifique. As-tu le programme de la journée là? Après nous, c'est Cyril. C'est Cyril jusqu'à 18h et après, c'est DJ Laurent jusqu'à 21h. Voilà, Cyril, rien de spécial pour cet après-midi? Ah, bah oui. On va piquer un micro. Alors, bonjour à tous. Pour cet après-midi, oui, j'ai la chance de recevoir deux jeunes femmes. La première, c'est Léa Desmar à 15h, qui a sorti un livre, justement, son premier roman. Elle est étudiante havraise. Ça s'appelle Bienvenue à Gris. J'ai eu la chance de l'acheter dans un commerce. J'ai pu la rencontrer en dédicace et je l'ai invitée ici. Et à 17h, on a Perrine Hope, qu'on aime bien, sur RV, une artiste havraise qui sort son nouvel EP. Donc, elle va présenter ses nouvelles chansons. Voilà. Et puis entre deux, il y aura le hit parade RVL spécial album et puis un petit jeu de 14 à 15. Voilà, bah merci Cyril. Puis on en profite encore pour souhaiter un joyeux anniversaire. Vous savez, là, ça commence à être passé, mais 20 ans de radio. Oui, 20 ans de radio. Sinon, c'est le 16 novembre, moi, si c'est au mois de novembre. 16 novembre. Les scorpions, hein, c'est les meilleurs, ça. Ah, qu'est-ce que tu veux? Puis, Cyril, on a oublié un truc. Allez, le hack demain contre Lyon. Pronostic 2-1 pour le hack. Bon, bah. On croise les doigts, mon petit Cyril. Allez, merci à tous. Et puis, on se retrouve du coup samedi prochain à partir de 12h. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, L'Arche de Yona officiel, la page YouTube, L'Arche de Yona. Et puis, j'oublie, je sais plus, Brandon est parti, il va pas m'aider. Voilà. J'en ai oublié d'autres. Dis-moi tout. Bah non, c'est bon, j'en ai oublié d'autres. Merci à tous. Et puis, samedi prochain, bon week-end.